En premier lieu, au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui et on vous remercie aussi pour avoir choisi notre agence Ariane Voyage, partiralamec.com, pour organiser votre Hajj et en espérant, Inch'Allah, en faisant des doigts, qu'on sera à la hauteur de cet événement, Inch'Allah, et qu'Allah il accepte votre Hajj, Inch'Allah. Donc la réunion, on va essayer de ne pas trop tarder, elle va durer entre 1h30 et 2h. Le déroulement de cette réunion, ça sera celui-ci. Donc on va faire une petite introduction religieuse, Inch'Allah, avec le cher Karzazi. Je vais reprendre la parole moi ensuite pour vous donner des conseils pratiques et conseils techniques pendant tout ce Hajj. Et ensuite, je laisserai la parole à Mustapha qui va s'occuper de l'aspect médical. Et on laissera une partie pour la fin, Inch'Allah, pour l'aspect questions-réponses. D'accord ? Donc si pendant toute cette réunion-là, vous avez des questions-réponses, gardez-les. Notez-les et puis, Inch'Allah, à la fin de la réunion, on est là pour vous. S'il y a des questions que vous voulez dire devant tout le monde, vous pouvez les dire. Si c'est des questions, on va dire, religieuses ou techniques d'ordre individuel, vous venez nous voir à la fin de la réunion, on y répondra, Inch'Allah. Ok ? Barakallahu fikoum. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك النشور يقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله سبحانه وتعالى tout d'abord nous a créé pourquoi. Il nous dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donner un sens à sa vie. Allah nous dit je n'ai créé les djinns et les humains qu'à la seule fin qu'ils m'adorent. Lorsque on adhère à ce message-là, on devient musulman, musulman, celui qui se soumet à ce message. Donc ensuite, il cherche le programme. Le programme, tout d'abord, il consiste en les cinq piliers de l'islam, que tout le monde connaît, alhamdoulilah. Parmi ces piliers, bien entendu, le fait d'aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui en a les moyens. Donc à travers ce pèlerinage, nous répondons à l'appel d'Ibrahim al-Khalil lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'appeler les humains afin qu'ils viennent vers cette maison. Toute personne qui a entendu cet appel-là répondra, Inch'Allah. Certains qui n'ont pas voulu l'entendre et s'y soumettre n'iront pas au pèlerinage, quoi qu'ils fassent. Prions Allah subhanahu wa ta'ala d'être de ceux qui vont y aller, parce que ce n'est pas parce que nous avons déjà peut-être les billets, les passeports, que nous allons arriver à la maison d'Allah. Il y a encore la volonté divine qui va décider de tout cela. Donc on continue à prier Allah, à nous faciliter d'atteindre ces lieux saints, sacrés, afin de nous acquitter de ce pèlerinage. Donc mes interventions vont être au nombre de trois. La première, celle-ci, qui vont être quelques conseils avant le pèlerinage. La deuxième, ça sera, Inch'Allah, sur le déroulement de la Umrah et quelques points sur le déroulement du Hajj. Et la troisième, éventuellement, s'il y a des questions, les choses ne sont pas claires, Inch'Allah. Si, par la suite, comme a dit le frère Mohamed, il y a des questions personnelles, je peux vous voir après, Inch'Allah, notre réunion. Première chose, qui veut faire le pèlerinage, on va lui donner au moins 10 conseils. Le premier, l'ikhlas, la sincérité. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. La sincérité dit,
mes prières, mes rites, ma vie, ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi tu vas au pèlerinage? Ça peut être une question qui paraît désuète, mais qui est essentielle parce que certains y vont parce qu'ils ont atteint un certain âge, parce qu'ils sont peut-être en concurrence avec un autre membre de la famille qui y va. Chacun il a sa raison, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait l'intention de chacun. Donc il faut déjà partir avec une intention sincère. Je vais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre ne me motive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, ana aghna ash-shuraka 'ani shirk. Je suis celui, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, qui est le plus à même de me passer d'associé. Celui qui m'adore en me donnant un associé, je le laisse et ce à quoi il m'a associé, il n'aura pas de récompense. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit associationnisme. Et à la fin du hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il sera dit à ces personnes, va chez celui, le jour de la résurrection, va chez celui à qui tu m'as associé et demande-lui à lui de te récompenser. Donc si tu vas là-bas pour faire le hajj seulement, ça va, tu as la récompense. Mais si tu vas pour faire le hajj et aussi pour qu'on t'en dit el hajj ou el hajja, donc tu n'as rien compris et ton pèlerinage ne sera pas accepté d'Allah. Donc ça, il faut le travailler maintenant, il faut le travailler pendant le pèlerinage et il faut le travailler après. Et là, c'est important, c'est un point très important. Il peut paraître encore une fois anodin, mais on le voit chaque année à travers cette nouvelle, hélas, mauvaise habitude, pour ne pas dire autre chose, qui est un problème sociétal, hein, qui n'est pas seulement, qui ne touche pas les musulmans seulement, c'est les photos, les selfies. Je suis devant la Kaaba, je fais un selfie. Je suis devant la tombe du prophète, je fais un selfie. Ben justement, le fait, quand tu vas rentrer en état de sacralisation, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire « Labbayk Allahumma umra, la riya'a fiha wa la sum'a. » Oh Allah, je réponds à toi. À toi, hein, c'est à personne d'autre. Non pas pour être vu, non pas pour être entendu. Pas pour qu'on parle de moi. Donc toi, la première chose que il faut qu'on me voie devant la Kaaba. Il faut... Donc, tu as tout faux. Donc, oubliez vos téléphones, vos appareils photos, quand vous êtes en adoration. Maintenant, les sites, tout ça, vous voulez photographier, il n'y a pas de problème. Mais votre adoration appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à ancrer. Les gens disent, oui, mais tu vois le tawaf, il est en train de faire un selfie. Là, je suis dans le deuxième tour, je fais des doigts pour toi. Donc celui-ci, hélas, on craint pour lui qu'il n'ait pas de récompense. Deuxième conseil, al-wasiyatu ou al-nasihatu thaniya al-mutaba'a. Yaqul sallallahu alayhi wa sallama, li ta'khudhu anni manasikakum. Deuxième conseil, c'est le suivi. Le suivi de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, prenez de moi vos rites. C'est-à-dire, quand vous allez faire le pèlerinage, faites comme j'ai fait. Comme il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu, priez. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, celui qui fait ses ablutions comme je viens de le faire. Donc à chaque fois, dans le domaine de l'adoration, il n'y a pas je pense que. Tu dois suivre ce que te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois suivre ton imam. Et ton imam, ce n'est pas spécialement celui qui est, par exemple, nous, les guides qui vont être là. Même l'imam de ta mosquée t'a donné des conseils. Si tu es convaincu, il est très important, nous allons parler de l'importance du savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim ». La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman. Ceux qui ne vont pas parmi nous ici au pèlerinage, ils ne sont pas tenus de connaître les règles. Mais toute personne qui va au pèlerinage doit connaître les règles dans une approche globale, pas détaillée, mais un minimum. Il ne peut pas venir demain dire « Ah, moi je ne savais pas, j'étais pas à Arafat ». Il a commis un péché déjà, son pèlerinage n'est pas accepté, mais il en est responsable. Donc tu es tenu de connaître l'adoration dans laquelle tu rentres. On ne part pas comme ça au petit bonheur la chance, on ne va pas, cette expression elle reviendra souvent, ce n'est pas le Club Med, tu te prépares spirituellement, c'est une obligation, ce n'est pas un choix. À partir du moment où tu t'engages, fais les choses correctement. Ça c'est le deuxième conseil.
Troisième conseil, c'est le repentir. Lorsqu'on va à la Mecque, avant cela, il faut épurer ces registres. Nous avons deux registres qu'on appelle sijillain, deux registres d'action. Il y a les actions qui sont entre nous et Allah, et celles qui sont entre nous et les êtres humains. Le fait que tu fasses le pèlerinage, Inch'Allah, de façon sincère, et qu'Allah agrée ton pèlerinage, donc il va effacer les péchés qu'il y a entre toi et lui. Par contre, les péchés qu'il y a entre toi et autrui, ça tu dois réparer avant de partir au pèlerinage. Parce que ce registre, Allah, il ne rentre pas dedans. Si tu es sincère, tu fais des doigts, il va peut-être te faciliter. Donc avant de partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé et à tout moment de nous réconcilier avec autrui, de réparer s'il y a eu injustice. Tu ne peux pas partir comme ça et dire « ça, moi j'ai fait le pèlerinage, lui je lui devais 1000 euros, je... » Non. Tu dois, avant d'aller au pèlerinage, régler tout cela. Quand on dit « à qui en a les moyens ?» Il y a la santé, il y a aussi les moyens financiers. Si tu dois de l'argent à X ou Y, tu es exempté de faire le pèlerinage. Sauf s'il y a entre vous un échéancier. Par exemple, les impôts, tu leur dois, ou le fisc, tu leur dois tant d'argent, chaque mois tu payes, ce n'est pas un problème. Par contre, moi, tu me dois 2000 euros, tu veux faire le pèlerinage, tu dois me demander mon autorisation. Si je te permets, tu y vas. Si je ne te permets pas, je te dis, c'est mon droit, je veux mon argent, c'est mon droit aussi. Donc ça, c'est important à régler. Donc je peux m'arranger avec lui. Je lui dis, bon, chaque mois je te donne tant, est-ce que tu me permets? S'il dit oui, vas-y, masha'Allah. Donc c'est important, Allah subhanahu wa ta'ala se désiste, et ça parce qu'il est le généreux, il est le juste, il est le clément, il est le miséricordieux, il se désiste, il dit, mon serviteur passera avant. Donc ça c'est important, tu ne pars pas sans avoir réglé cela. Les injustices, tu fais ce que tu peux. Maintenant, si la personne ne veut pas te pardonner, fais des doigts, essaye de réparer différemment. Mais ne pars pas comme cela sans avoir réparé tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu tout à l'heure, il dit « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » Quand il nous invite à aller au pèlerinage, il nous dit « Et approvisionnez-vous ». S'approvisionner, c'est préparer les biens, bien entendu, se préparer physiquement, se préparer dans tous les domaines. Et donc là, il nous reste à peu près une semaine avant le départ. Pour ceux, et surtout peut-être beaucoup de nos sœurs ou les personnes âgées, qui n'ont pas beaucoup l'habitude de marcher, il va falloir que pendant cette semaine, vous fassiez un effort. Pour que les courbatures, tout cela, ça arrive cette semaine. Comme ça, quand vous partez à l'Omra et au Hajj, ce sera derrière vous. Il ne faut pas attendre d'aller là-bas, d'avoir les courbatures pendant l'Omra. Après, vous ne pouvez plus marcher pendant le Hajj. J'ai noté quelques distances, à peu près, hein, de ce que j'ai trouvé sur Internet. Le Tawaf, c'est près de 3 km, 2 km 800. Ça, c'est si vous le faites en bas. Si vous le faites en haut, vous multipliez par 2 à peu près. Le Sa'y entre Safa et Marwa, ça vous fait plus de 3 km. Donc déjà ce jour-là, si vous faites les deux, vous êtes déjà environ 6 km. Celui qui a l'habitude de faire dans la journée à peine 100 mètres, ça va être difficile. Le monde, vous rajoutez la chaleur. Ensuite, vous avez la distance entre la Mecque et Médine, qui est de entre 7 et 9 km. Ensuite, de Minen à Arafat, qui est de 12 km. Ensuite, de Arafat à Muzdalifa, qui peut être entre 5 et 7 km, en fonction de l'emplacement. Etc. Entre Muzdalifa et les Jamarat, qui peut être jusqu'à 8 km. Vous voyez, il y a des dizaines de kilomètres. Il faut s'y préparer à tout cela. Donc cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il ne faut pas dire que c'est trop tard. Il y a encore une semaine devant vous. Marchez trois quarts d'heure au moins le matin. Si vous pouvez encore trois quarts d'heure le soir, essayez d'avoir une marche un peu rapide et Inch'Allah, ça se passera bien. Donc la dernière semaine, il faut redoubler d'efforts, Inch'Allah. Al-wasiyyatu rabi'a, tahri al-mal al-haram. Il faut partir avec de l'argent, de faire son pèlerinage avec de l'argent licite. Et tu te poses la question, avec quoi j'ai payé mon pèlerinage? Est-ce que c'est avec de l'argent mal acquis? Dans ce cas-là, il faut que, avant d'aller au pèlerinage, je corrige cela. Est-ce que j'ai quelque chose en cours qui est illicite? Avant de partir, il faut que j'épure cela.
hein, que ce soit quelqu'un qui est dans un engagement avec de l'usure, riba, etc. Tout ça, ça doit être corrigé avant le départ, inshallah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fadhakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha a'bar yamuddu yadayhi ila as-sama' wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cet homme qui a un voyage long, hirsute, hein, il a les cheveux en l'air, plein de poussière, il se dirige à la Mecque, qui lève les mains vers le ciel, ô Seigneur, il a mangé du haram, il a bu du haram, il a été sevré dans le haram. Comment voulez-vous qu'Allah exauce son invocation? Donc si tu n'es pas dans cette démarche du repentir, et le repentir c'est quoi? Regretter ce qu'on a fait, décider de ne plus le refaire, et, qui se rappelle du troisième? Arrêtez de le faire. Donc arrêter de le faire, ce n'est pas de dire quand je reviens, je le fais à nouveau. Je vais essayer la parenthèse et je reviens. Et la quatrième, s'il y a une tierce personne, ça c'est entre toi et Allah. La quatrième, s'il y a une tierce personne, c'est de réparer ce que tu as fait. Donc tout ça avant le pèlerinage. Cinquième conseil, at-tafaqquh, le fait d'apprendre comme nous avons dit tout à l'heure. Sixième conseil, taharatul qalb, la purification du cœur, la pureté du cœur. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne rentrerez pas au paradis avant d'avoir la foi, et vous n'aurez la foi avant de vous aimer. Si tu pars avec des rancœurs, des rancunes, pour ceux qui sont là ou pour là-bas, il y en a déjà, il te dit, moi tawaf, il y en a un qui pousse, je rentre dedans. Il n'a rien compris. Autant qu'il reste ici. D'accord? Donc il faut partir avec de la patience. Faut aimer pour ton prochain. Tu vas voir de tout là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes mœurs que toi, les mêmes us que toi. Tu vas voir des choses qui sont repoussantes. Après, tu vas devoir aussi cohabiter avec des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes habitudes que toi. Tout cela, il faut de la patience. Donc si tu pars déjà avec cette mauvaise intention, tu as déjà un mauvais point. Donc essaye de, les dohas qu'on peut conseiller, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la patience, inshallah. Et nous n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths, mais on va en citer un. Lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi tu jeûnes le lundi et le jeudi? Il a dit, c'est un jour où nos actions remontent vers Allah. Et je souhaite, quand mes actions montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, que je sois en état de jeûne. Et dans un autre hadith, il dit, Allah pardonnera à toute personne sauf à deux catégories de personnes. Celui qui est associé à Allah et celui qui est indifférent jusqu'à ce qu'il se réconcilie. Alors imagine le hajj. Tant que tu ne t'es pas réconcilié avec autrui, ton hajj il est suspendu. Donc il faut partir avec le cœur léger. Donc voyez, on ne rentre pas dans le hajj comme ça sans s'y être préparé. Il y a une purification de l'âme, purification des biens, purification de l'endroit, de la société, de la famille, tout ça on s'y prépare. Donc c'est pas je prends une valise et je pars. C'est très important. Ça j'ai envie de dire c'est encore plus important que le Umrah en soi-même. Parce que si tu n'as pas ça, ce qui suit, c'est pas valable. Donc ce sont des notions très importantes que chacun d'entre nous doit assimiler. Al-Wasiyyatu As-sabi'a, as-suhbatul akhyar. Septième conseil, c'est d'être en bonne compagnie. Le prophète sallam nous a donné cette image, semblable aux beaux compagnons et aux mauvais compagnons, semblable aux marchands de parfum ou aux forgerons. Le marchand de parfum, quand tu t'assois avec lui, soit il te donne de la bonne odeur, il te fait sentir, etc. Tandis que le forgeron, avec son soufflet, il y a des éclats, ça va te brûler, tu vas sentir mauvais. Donc quand tu vas faire la Umrah ou le Hajj, et une bonne compagnie, des gens qui te tirent vers le haut. Un de tes amis que tu as toute l'année, vous allez au Hajj. Mais si c'est pour plaisanter là-bas, pour faire les mêmes choses qu'ici, qui vous tirent vers le bas, ben là-bas, demandez à avoir des chambres différentes. Pour ne pas passer votre temps dans les discussions inutiles et au contraire gaspiller, je dis bien le mot gaspiller, votre pèlerinage. Donc choisis les personnes qui vont te tirer vers le haut afin de bonifier, inshallah, ton pèlerinage. Al-wasiyyatu thamina al-ijtihadu fi at-ta'at. Huitième conseil, c'est de faire des efforts dans les adorations. Ça ne va pas être facile.
Donc on essaye de perdre le moins de temps possible. Prenons quelques exemples. Lorsque notre mère Aïcha, pardon, n'avait pas fait sa omra et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle commençait à pleurer quand elle avait eu ses menstrues et il lui a dit d'aller faire une omra. Et elle a dit, c'est quoi ma récompense? Moi je ne suis pas venu de Médine pour la omra. Et il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna laki min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Tu as de récompense en fonction de ta fatigue et en fonction de ce que tu as dépensé. Donc chacun en fonction de ses moyens. Quelqu'un qui, mashallah, est touché des dizaines de milliers, le hajj, c'est pas grand-chose pour lui. Quelqu'un qui, pendant des années, il a économisé le petit sou, il s'est privé, etc. Inch'Allah, pour lui, la récompense est plus grande. Et ensuite, il y a la fatigue. Mais la fatigue, il ne faut pas la créer. Un homme vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma sœur a l'intention d'aller à la maison d'Allah, et elle a fait le vœu d'aller à pied. Il a dit, Allah n'a que faire de ce vœu-là, dis-lui qu'elle monte. C'est-à-dire, cherche pas la fatigue. Quand il y a des facilités, prends-les. Mais sache que tout ce que tu vas faire, tu seras rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons un exemple d'adoration pour bonifier. Par exemple, le bénéfice de le tawaf. On ne parle pas de la umra pour l'instant. Man tafa hawla hadha al-bayt. Yaqul sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibn Umar. Man tafa hawla hadha al-bayt usbu'a. فَأَحْصَاهَا كَانَ كَعِدْقِ رَقَبَةً. D'après Abdallah ibn Omar, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait autour de cette maison sept tours, en les comptant bien, en essayant de ne pas se tromper, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ. Puis il a poursuivi sallallahu alayhi wa sallam, لَا يَضَعُ قَدَمَا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى. Il ne pose un pied et ne lève l'autre. Il حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِئَةً. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'allège d'un péché, il lui enlève un péché. وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً. Il lui écrit une bonne action. Voyez, tout ça, ce sont des bonnes actions que vous allez acquérir. Quand on parlait tout à l'heure, exemple, le tawaf, on a dit, ça fait environ, on va dire à peu près 3 km. 3 km, c'est 3 fois 1000 mètres. Donc imaginez combien de pas tu fais dans chaque 1000 mètres. Donc tout cela, tu as une récompense. Et sans compter la récompense du lieu saint qui est multiplié par 100 000. Donc on voit l'importance du tawaf que beaucoup de gens négligent, hélas. كَذَلِكَ يُنْصَحُ وَالْإِكْثَرُ مِنَ النَّفَقَةِ الْحَلَالِ. يقول صلى الله عليه وسلم بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام. Il y en a, ils partent au hajj, ils pensent qu'ils ont payé un billet, que voilà, ça suffit. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la bienfaisance du pèlerinage, c'est le fait de nourrir et le fait d'avoir des propos mielleux. C'est-à-dire de bien parler, de bien se comporter. Donc il va falloir penser à prendre avec vous un petit peu d'argent pour faire, si vous le pouvez, chaque jour une petite aumône, hein, pour bonifier le hajj. Hein, c'est pour le bonifier, pour avoir plus de récompenses, Inch'Allah. Al-wasiyatu at-tasi'a, neuvième conseil, c'est le testament. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'appartient pas à un musulman qui doit faire une recommandation, qu'il passe deux nuits sans avoir laissé derrière lui une recommandation. Donc si tu dois à quelqu'un, s'il y a une injustice qui a été commise à ton égard ou c'est toi qui l'as commise, etc., tu dois le noter, le faire savoir aux personnes que tu laisses derrière toi. S'il n'y a rien, tu dis il n'y a rien. Donc tu n'as pas besoin de l'écrire éventuellement, mais tu dis, pour que les choses soient claires, à ta famille, moi je pars, mais sachez que je ne dois rien, personne ne me doit rien. Donc les choses doivent être claires. Et ça c'est valable, non pas seulement pour le voyage à la Mecque, mais c'est valable pour toute notre vie. On ne doit pas passer deux nuits sans que nous ayons fait ces recommandations, Inch'Allah. Al-wasiyatu al-ashira al-isti'zan au wujud al-mahram. Dernier grand conseil, c'est pour l'enfant, quoi, pour le jeune homme, de prendre l'autorisation de ses parents. Si ses parents ont besoin de lui, hein, ils sont impotents, handicapés, donc le pèlerinage pour lui n'est pas une obligation, parce qu'il doit prendre soin de ses parents. Si c'est un caprice, dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de les écouter quand il s'agit du pèlerinage de l'islam, bien entendu. Maintenant aussi, le deuxième point, c'est la présence du mahram pour la femme. Là, c'est une divergence des codes. Chez les malikides, on considère que si elle voyage avec un groupe de femmes,
digne de confiance, cela suffit. Moi, je partage plutôt cet avis dans ce domaine-là. Par contre, je dis à nos sœurs, sans être irrespectueux envers elles, croyez, c'est un frère qui vous parle avec tout le respect que j'ai pour vous. Pour la sœur qui va voyager seule, qu'elle mette elle-même de la distance. Les discussions, les personnes, on se mélange en couple, la table. Encore une fois, l'ambiance Club Med, c'est pas ça le Hajj. Donc si elle-même tient ses distances, elle va, elle n'a pas de mahram, elle garde ses distances, tout se passera bien, Inch'Allah. Donc ça, c'est important à dire. Après, certaines écoles considèrent que le mahram est une obligation. C'est un sujet de divergence. Et quand on va dire sur tel ou tel point, il y a un sujet de divergence. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de partager mon avis, je ne suis pas obligé de partager le tien. Mais pour autant, on ne va pas se bouder les uns les autres, on ne va pas se faire la guerre. Donc c'est très important. Ce qu'on a dit, les versets en introduction, « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَلَ » Hein, celui qui décide de faire le hajj, donc la rafas, tout ce qui touche à l'intime, hein, il n'aille pas à ce qui est les désirs, etc. Ou la fousouk, hein, tout ce qui est toute forme de déviance et de désobéissance à Allah. Et ou la jidel, et nulle polémique. Donc tout cela, bien entendu, il faut s'en éloigner pour ne pas mettre à mal son pèlerinage. Il y a d'autres choses qu'on pourrait donner comme conseil. En particulier deux points que je ne vais pas développer. Le premier, c'est de connaître les règles du voyageur. Je vous donne un exemple simple. Quand est-ce que je suis voyageur? À partir du moment où je sors de chez moi. À partir de ce moment, mes invocations sont exaucées. Donc que j'en profite. Jusqu'au moment où je reviens chez moi, je suis voyageur. Donc, il ne faut pas se dire, ah, quand je serai autour de la Kaaba, je fais des doigts. Non, aussitôt que je suis sorti chez moi, je fais des doigts. Pour moi, ma famille, pour la communauté, etc. Et je demande à Allah, et je multiplie l'istighfar, ça c'est un des meilleurs du'as, l'istighfar, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illa wahdahu la sharika la, la mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir. Ça c'est trois du'as que tout le monde connaît. Donc multipliez cela jusqu'à votre arrivée, Inch'Allah. Enfin, essayez de méditer le sens des choses. Là, le prophète a fait ça, pourquoi il a fait ça, essayez de comprendre cela, nous aurons l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بارك الله بارك الله فيك شيخ محمد maintenant je vais prendre la parole pour vous donner quelques petits conseils techniques, faire un petit rappel sur les formules que vous avez achetées et ainsi que le déroulement du programme du séjour inchallah. Mais avant tout ça, je vais vous présenter l'équipe. Donc je vais demander au staff de monter sur la scène. بارك الله فيكم les frères. Donc je vais commencer déjà par ceux qui sont là. Donc là vous avez Sofiane qui va gérer lui toute la partie staff, la partie guide, ce sera le chef des guides. Mohamed que vous avez pu entendre, qui sera notre référent religieux pendant tout le séjour. Et Mustapha qui sera notre référent médical pendant tout le séjour. Je lui laisserai la parole tout à l'heure pour qu'il vous donne quelques petits conseils techniques, Inch'Allah. Ensuite tous les frères que vous voyez qui montent, ils partiront avec vous en fonction de vos vols. Et en fonction de vos formules. Donc vous avez Salim, vous avez Zakaria, qui est mon associé, vous avez Khaled, vous avez Rabah, vous avez Fethi, vous avez Faisal, vous avez Monir, vous avez Aqba, vous avez Coco et vous avez Adel. Voilà. Donc toutes ces personnes-là, elles partent avec vous, elles font le hajj avec vous et elles reviennent avec vous. En plus de ça, il y aura un autre staff sur place, un staff d'Arabie. D'accord, c'est des frères qui vivent là-bas, qui vivent à Médine et qui vivent à Mecca. Et vous irez aussi des sœurs, mais que pour la partie Mina. Ok, pourquoi? Parce que les hommes et les femmes, on est séparés à Mina. Malgré qu'on est les tantes les unes à côté des autres. Voilà, barakallahu fikoum les frères, merci. Donc ça c'est pour la partie organisationnelle et la partie encadrement. Ensuite, je vais juste faire un rappel sur les formules. Comme ça, on part d'ici, tout le monde est transparent, tout le monde est wadah, et qu'on n'arrive pas là-bas et qu'on se retrouve dans des problèmes, Inch'Allah. Donc cette année, on a fait deux formules. Une formule court séjour économique et une formule long séjour 5 étoiles. La formule court séjour économique, elle consiste en un départ le 6. Là, les informations que je vais dire, s'il y a un problème, vous me dites tout de suite. Hein, vous n'attendez pas les questions-réponses. Hein, d'accord? Donc vous avez un départ le 6, Inch'Allah. Ok? Vous arrivez dans un quartier. Oui?
Pour le court séjour. Le court séjour. Pour le court séjour, donc vous avez un départ le 6, Inch'Allah. Sur la Saudi Airlines, en vol direct, Jeddah. Ensuite, quartier d'Aziziyah. Vous allez rester entre 2 et 3 nuits. Peut-être plus de nuits en fonction du mois précédent qui est Dhul Qa'dah, s'il est de 29 ou 30. D'accord ? On fait les rites du pèlerinage, on revient à Inu al-Aziziyah et on part à Médine dans un hôtel qui s'appelle le Pilman Zamzam. C'est un hôtel 5 étoiles. Et de là-bas, vous faites 4 nuits et vous rentrez à Paris. Pareil, dans un vol direct sur la Saudi Airlines. Tout le monde est d'accord ? Sur ? Les gens qui ont acheté des chambres doubles, chambres triples, ils seront en double et en triple, que ce soit à Al-Aziziyah ou que ce soit à Médine. C'est bon ? Oui. Comment ? On commence à partir d'où ? À partir de Jeddah, puis on va faire le Maroc. La Amra, on va la faire une fois arrivé à l'Aziziyah en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, Inch'Allah. Si vous arrivez trop tard et que vous êtes fatigué, on vous laisse vous reposer. Et si vous arrivez bien avant, ça veut dire si vous ne mettez pas trop de temps pour sortir de l'aéroport, Inch'Allah, on l'a fait dès que vous arrivez. On parle de la sacralisation. Les haram, on en reviendra après le Hajj. Les haram, c'est le shirk qui va en parler. Quand est-ce qu'on met les haram, quand est-ce qu'on fait la niya, etc. D'accord ? Donc maintenant je passe à la formule long séjour 5 étoiles. Oui. Ben, si. Non, ils font la Amra et le Hajj. Enfin, les rites sont les mêmes que ce soit court séjour ou long séjour. D'accord. Donc pour le long séjour, vous avez un départ le 5. Pareil, en vol direct sur la Saudi Airlines. Vous avez deux départs. Vous verrez en fonction de vos guides transport. Et donc vous arrivez pareil, Jeddah, Aziziyah. On fait les rites du pèlerinage, bien sûr avant la Amra. On revient, une fois que les rites du pèlerinage sont terminés à l'Asie, on fait une nuit. Et après, vous allez au Fairmont, qui est l'hôtel où il y a l'horloge. Vous allez faire 6 nuits, d'accord, en demi-pension. Et ensuite, Médine, 4 nuits, puis le Man Zamzam. Et de Médine, vous rentrez à Paris. C'est bon pour tout le monde ? Par contre, les gens qui ont acheté de la double et de la triple, à l'Aziziyah, vous serez en quad. Tout le monde est au courant ? Les gens qui ont acheté des chambres doubles et des chambres triples, vous serez en double et en triple, au Fairmont et au Pullman, pas à l'Aziziyah. C'est bon pour tout le monde ? Non ? Vous n'êtes pas au courant ? D'accord. Vous avez votre contrat avec vous ? Voilà, vous pourrez voir avec Salim après. D'accord, barakallahu fik. Comme ça, c'est clair. Donc pour là, c'est bon, tout le monde est ok. On continue. Oui. Pour sur court séjour ou long séjour? Long séjour, eh ben c'est pareil. Tous les gens qui ont pris le long séjour, d'accord, vous, en chambre double ou en chambre triple, d'accord, vous serez en chambre double à Mecca en face du Haram et en chambre double à Médine. Pas l'Aziziyah. Ça, normalement, c'est tout le monde est OK et c'est écrit sur vos contrats. Comment ? Vous avez pris 4 personnes, vous serez pour 4 personnes partout. Pour vous, ça ne change pas. Voilà, pour vous, ça ne change pas. D'accord ? Les gens qui ont un petit problème par rapport à ça, vous allez voir Salim et on a tous les contrats signés et donc vous verrez ce qu'il en est. D'accord ? Oui, frère ? Non, j'ai dit ça c'est uniquement pour le long séjour. Pour le court séjour, c'est autre chose. Donc j'avance, Inch'Allah. Donc vous allez avoir les convocations pour ceux qui les ont déjà. Vous avez les convocations. On vous a convoqué un peu très tôt. D'accord ? Il va y avoir beaucoup de monde ce jour-là. Vous avez les départs pour le Hajj, ça commence dès maintenant. Ok ? Donc c'est pour ça qu'on vous a convoqué 3 à 4 heures avant. Ok ? Ensuite, vous allez être réceptionné par les guides qui seront là. D'accord ? En fonction de vos séjours. Quand vous arrivez là-bas, vous allez directement vers votre guide. Il vous remettra plusieurs choses. À savoir qu'aujourd'hui, on va vous remettre votre sac à dos. D'accord ? Ce sac à dos, il faut absolument le prendre avec vous. Ce sac à dos-là, il est indispensable pour Mina. D'accord ? Ce sac à dos-là qu'on va vous remettre aujourd'hui, il est indispensable pour Mina. On ne vous laissera pas prendre autre chose que ce sac à dos pour aller à Mina. Pourquoi ? Pour les gens
qui connaissent un petit peu le Hajj et qui ont déjà fait le Hajj, les conditions d'hébergement, elles sont très très exiguës. Ça veut dire on est serrés les uns pratiquement collés aux autres. Okay, et cette année, il y a encore plus de monde que l'année dernière. Le camp où on était l'année dernière, il y avait pratiquement 3500 pèlerins. Cette année, on a dépassé les 4000. D'accord ? Juste dans le camp dans lequel nous on est. Ce qui est le camp numéro 33. Salim, le 33. Hein. D'accord. Donc c'est le camp numéro 33 dans le camp européen. Donc l'année dernière, on était 3500. Cette année, on est un peu plus de 4000. Donc on vous laissera pas prendre autre chose que ce sac. Ok ? On est d'accord ? Comme ça, on ne gêne pas son voisin, on ne gêne pas sa voisine, etc. D'accord ? On va vous remettre aussi ça aujourd'hui. Ça, c'est des étiquettes qu'il faudra coller sur vos bagages. Donc, vous avez le droit à 2 fois 23 kilos par personne. Ok ? Donc, deux bagages de 23 kilos par personne. Et pas un bagage de 46 kilos. D'accord ? Vous avez compris ? Vous avez le droit à 2 fois 23 kilos. Si vous ramenez un bagage de 43 kilos ou même de 30 kilos, ils ne vont pas l'accepter. Donc, on va vous donner donc deux étiquettes comme ça bagage qu'il faudra coller le plus tôt possible. Plus vous le collez tôt et plus ça a de chances de tenir. D'accord ? Comme ça, la colle prendra bien, Inch'Allah. Ok ? Autre chose, on vous conseille comme vous... Comment ? Il y a une petite valise à main. Oui, oui, vous avez le droit à une petite valise à main, bien sûr. Les consignes classiques de l'aviation. Autre chose concernant ce sac, ce qu'on vous conseille, c'est d'écrire votre nom dessus. Donc nous, on a des feutres ici. À chaque fois qu'on vous le donne, essayez d'écrire votre nom. Si vous ne voulez pas l'abîmer, écrivez-le à l'intérieur. Sinon, ici ou à l'intérieur, d'accord ? Pourquoi ? Parce que vous allez être 450 pèlerins et vous aurez tous le même sac. Et que quand vous arrivez là-bas, c'est mon sac, c'est ton sac, c'est le mien, c'est pas le mien. Donc ce qu'on vous conseille dès maintenant, c'est d'écrire votre nom dessus. Ok ? Nom, prénom, ou même si vous ne voulez pas nom, prénom. Mais c'est mieux nom, prénom pour nous. Si on le trouve comme ça, on sait à qui il appartient. D'accord ? Ensuite, donc, dès que vous allez arriver à l'aéroport, on va vous donner aussi deux étiquettes bagages par personne. Sur ces étiquettes bagages, donc, il y aura pratiquement ce qui est écrit sur votre badge. D'accord ? Donc votre photo, votre numéro de passeport, le numéro de téléphone. Et on met toujours le numéro de téléphone d'Arabie au cas où le bagage se perd. Donc si le bagage se perd, on nous appelle, etc. On va vous remettre aussi ça. Donc c'est un petit tour de cou jaune. Ok ? Et ça, ça va permettre de vous d'identifier le groupe et nous de pouvoir vous identifier. Là, quand on va arriver, et ça sera pour les hommes et pour les femmes, d'accord ? Ça va nous servir beaucoup pour les rites du pèlerinage, pour l'Amra, déjà quand on va arriver. Et après, si vous voulez, vous pouvez le retirer et vous le remettrez quand on rentrera à Mina, Muzdalifa, Arafat. Vous allez voir, ça là, ça nous rend énormément service, d'accord ? Surtout quand vous êtes perdu, vous pouvez nous voir de très loin et nous, on peut vous voir de très loin, d'accord ? Autre chose, le badge classique, d'accord ? Avec votre photo, votre numéro de téléphone et surtout le numéro du bus auquel vous appartenez. À chaque transport qu'on fera hors rite du pèlerinage, c'est-à-dire du transport de Jeddah à Mecca et du transport de Mecca à Médine, d'accord ? Il faudra monter dans le bus avec ce numéro-là. C'est bon ? Voilà. Autre chose, on va vous remettre aussi ce bracelet qui est un bracelet imposé par le ministère du Hajj. D'accord ? C'est un bracelet à code barre. Ce bracelet-là, il va permettre que, pareil, si vous êtes perdu ou alors il vous arrive quelque chose, on puisse savoir à quelle agence vous appartenez. Par contre, ce bracelet-là, une fois qu'il est attaché, clipsé, on ne pourra plus le retirer. Et donc, il faudra prendre votre douche avec, il faudra tout faire avec. Il ne faudra pas le retirer jusqu'à la fin du séjour. Ça va être votre pièce d'identité. Ok ? Et on n'en aura pas un deuxième à vous donner. Tout ce que je vous donne là, c'est des pièces uniques. Il n'y aura pas de deuxième. J'ai perdu mon étiquette bagage, j'ai perdu mon châle, j'ai perdu mon sac à dos. Tout ce qu'on va vous donner, c'est des pièces uniques. Donc, barakallahu fikoum, faites en sorte d'en prendre soin et que ça reste jusqu'à la fin du séjour. Ok ? Ensuite, concernant justement les mamans, les papas qui se perdent, on a mis en place cette année une application, d'accord ? Donc ce qu'on vous conseille, c'est de ramener un smartphone, de télécharger cette application. Je laisserai après la parole à Qaïs, qui est le concepteur de cette application, et qui nous l'a fait, qu'Allah le récompense, qui nous l'a fait gratuitement.
Et donc on met ça en place cette année, c'est une application sur laquelle il va falloir la télécharger, on vous donnera un code pour pouvoir y accéder. Et nous, par rapport à ça, on pourra visualiser où est-ce que vous êtes et vous envoyer des messages. D'accord ? Donc on met ça en place cette année. Ça, il se peut que ça ne marche pas à 100%, mais allez, on fait l'effort de mettre des choses un peu pour éviter de vous perdre, etc. Ok ? Donc je laisserai plus le frère tout à l'heure en parler et vous donner toutes les indications. Donc autre chose pour les hommes très important, lorsque vous allez arriver à l'aéroport, soit l'ihram, vous l'avez sur vous et vous avez un qamis par-dessus, ou soit vous êtes habillé normalement, mais par contre l'ihram, il faut avoir avec vous dans la main, d'accord, dans un bagage à main. Si l'ihram il est en soute, on ne pourra pas le récupérer. À savoir que c'est un vol direct, il n'y aura pas d'arrêt, et qu'il faudra se mettre en état de sacralisation dans l'avion. D'accord ? Très très important. On a eu des cas, des années où les gens ils ont oublié, ils se sont retrouvés avec la couverture de l'avion, de l'aéroport, avec la marque ici Saudi Airlines, etc. Ok ? Bah, il y avait que ça, on n'avait pas le choix. Donc, les hommes, ça c'est pour vous, n'oubliez pas. Et les femmes, rappelez à vos hommes. D'accord ? Voilà. Autre chose pour les gens qui ont des passeports étrangers, à savoir que quand vous allez arriver à Jeddah, on va vous récupérer vos passeports, que ce soit les passeports étrangers ou les passeports français. On récupère tous les passeports. Ne laissez pas la carte de résidence dans le passeport étranger. Okay ? Dès que vous arrivez, dès que vous montez dans l'avion, vous prenez la carte de résidence, vous la mettez d'un côté et le passeport vous le mettez de l'autre côté. Et ce que vous conseille à tous, c'est de faire une photocopie de votre passeport, une photocopie de la carte de résidence, d'accord ? Et après, et si vous pouvez aussi, vous allez voir cette année, les visas, c'est plus des visas collés, c'est des visas papier, d'accord ? Une fois que vous avez passé la douane, les guides vous feront un rappel, inchallah, une fois que vous avez sorti, vous avez dépassé la douane, pareil, vous sortez votre visa papier, vous le gardez avec vous. Ok ? Voilà, ça sera un visa comme ça, mais tout le monde a récupéré ses passeports avec ses visas ou pas ? Non ? D'accord. À la fin, inchallah, de la réunion, vous diriger vers le numéro qui vous correspond, d'accord, et on vous donnera vos passeports. Donc les visas papier, c'est comme ça cette année. Ok. Voilà. Et autre chose très importante, quand on vous donne le passeport, dans votre passeport, donc il y a votre visa et il y a votre carnet de vaccination, plus une petite étiquette jaune, un numéro, etc. Ça, ne touchez à rien, d'accord. Il y a eu, on a reçu un message de la compagnie la Lufthansa. Il y a eu des groupes qui se sont fait refouler parce qu'ils n'avaient pas le carnet de vaccination. D'accord ? À l'aéroport ici. Hein. Oui. Vous m'avez donné le visa et mon passeport, mais vous m'avez pas rendu ma carte de vaccination. Alors, on a plein, justement, on a ramené ici plein de carnets de vaccination qui nous restaient, donc ils doivent être à l'intérieur. D'accord ? N'oubliez pas, carnet de vaccination obligatoire. Même si nous, peut-être, on ne vous l'a pas demandé, mais en tout cas, il le faut absolument dans le passeport. Celui-là. Ensuite, petite surprise à l'aéroport. Alors, c'est là que la patience va commencer. Ok, à l'aéroport, quand vous allez arriver, il se peut que vous mettiez entre 6h et 12h pour sortir de l'aéroport. D'accord ? Je répète, il se peut que nous, de l'autre côté, on a tout fait pour que ça aille très vite. D'accord ? On a mis les moyens pour que ça aille très vite. Mais il se peut quand vous arrivez là-bas, vous mettez entre 6h et 12h pour sortir de l'aéroport. Les gens qui ont fait la Umra, il faut qu'ils retirent ça de leur tête et qu'ils pensent à autre chose. Donc entre 6h et 12h pour sortir de l'aéroport. Ok ? Et nous, on ne pourra rien faire là-dessus. À partir du moment où on arrive sur le territoire saoudien, on est sous l'égide de l'autorité saoudienne. Donc comme ils nous disent de faire, on fait. Alors on a une voiture qui gêne, c'est une BMW CQ438 CL. Barakallahu fikoum, ça gêne les voisins, c'est bon, c'est fait. C'est bon jusque là, tout va bien ? Ok, donc on arrive à Jeddah. Il y a des bus qui vous attendent, vous patientez, vous vous laissez guider par les guides.
Dans l'avion, il ne faudra pas oublier de mettre la niya, mais je vais laisser le Cheikh Karzazi qui va vous expliquer comment on fait. Et dès que vous arrivez à l'Aziziya, en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, eh ben on enchaîne la Umrah. On vous donne vos clés de chambre et on vous donne l'horaire de départ pour la Umrah, Inch'Allah. Et pareil, vous partirez avec vos numéros de bus. Si vous êtes 10, eh ben vous partirez avec le bus 10. Si vous êtes 3, vous partirez avec le bus 3, etc. Ok ? Donc avec cette personne, avec ce bus 3, vous aurez un des guides parmi là, auquel on rajoutera 3 étudiants, 3 talib al-ilm. D'accord ? Donc on a fait des groupes qui sont entre 40 et 45. Donc vous serez entre 40 et 45 et il y aura 4 guides avec vous, ce qui est largement suffisant. D'accord ? Par contre, il faudra juste nous prévenir quand vous arrivez là-bas, les gens qui ne peuvent pas marcher, les gens à qui il faudra un fauteuil, etc. pour que nous on puisse s'organiser. Hein ? Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole au cher Karzazi. Il va vous faire un cours sur l'Umrah et il va survoler un petit peu. Tu veux parler, Moustapha, tout de suite ? Ouais ? D'accord. Bah, je vais laisser la parole à Moustapha qui va vous donner quelques conseils sur le médical, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, j'ai l'honneur et la lourde tâche de gérer votre santé. Bien évidemment, pour le Hajj, j'espère que vous allez avoir les conditions physiques et mentales afin de réussir ce Hajj, Inch'Allah. Et je vais vous demander une participation de votre part, c'est-à-dire de nous donner les moyens de bien vous encadrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'être clair avec, pour ceux qui ont des pathologies chroniques, de venir nous les signaler. Soit ça a déjà été fait à l'agence, soit si vous avez oublié de le dire, volontairement ou pas, de venir après nous le dire. Et ce qui implique donc de venir avec vos ordonnances, les comptes rendus et les protocoles, je fais allusion aux personnes diabétiques, hypertendues et autres, hein, ceux qui ont des pathologies chroniques. Autre chose, pensez à prendre vos traitements en double, hein, dans 2 valises différentes. Ça, c'est important parce que chaque année, malheureusement, on a des pertes au niveau des valises. Et donc, c'est important d'appliquer ce principe. Hein. Mettez vos traitements dans 2 valises différentes. Je vous rassure tout de suite, tout au long du parcours, bien évidemment, il y a des centres de santé, des cliniques. Donc, ne soyez pas paniqués. C'est très bien organisé tout au long du parcours. Donc mon intervention va être très succincte, elle va être en 3 parties, donc ça va être avant, pendant et après le Hajj. Avant le Hajj, donc essayez d'avoir une alimentation équilibrée, hein, il vous reste à peu près une petite semaine là pour essayer de bien vous préparer. Hein, donc une alimentation pardon, équilibrée afin de limiter les déficits vitaminiques et donc la fatigue, parce qu'on sait qu'une personne fatiguée va faire plus d'infections que les autres. Hein. Donc bien s'alimenter en fruits, en légumes, faites à la rigueur une petite cure de vitamines, hein, ça c'est toujours bien et bénéfique pour la suite des événements. Hydratez-vous, ça on ne le répétera jamais assez, parce qu'on le sait, plus on avance dans l'âge, plus la sensation de soif elle diminue. Donc commencez à bien vous hydrater maintenant, hein, entre 1,5 litre, ça paraît, 1,5 litre, 2 litres à peu près, ça paraît correct. Hein. Et puis, quand vous serez sur place aussi, profitez de Zemzem, bien évidemment. Hein. Donc, démarrez une cure de vitamines, si c'est possible, et de probiotiques, hein, pour renforcer un peu le système digestif, car souvent, on arrive avec des problèmes à type de diarrhée et de constipation. Hein. Donc, ça, c'est avant, le Hajj. Préparez bien sûr une trousse médicale, hein, avec des médicaments comme le paracétamol, des crèmes contre les brûlures comme la biafine, la vaseline. Vous allez voir que quand vous allez faire beaucoup de marches au niveau des cuisses sur la face interne, ça va vite brûler. Donc il se peut que vous ayez des brûlures à ce niveau-là. Et puis bien évidemment, préparez aussi votre lot de compresses et de pansements et d'antiseptiques. Parce que vous allez, comme l'a signalé notre Cheikh Karzazi, vous allez faire beaucoup de marches
Et sûr et certain, à peu près 50% d'entre vous, vous allez faire des ampoules et des problèmes articulaires. Donc ça, c'est important de venir avec cette trousse médicale-là. Prenez aussi des masques, parce que Mecca et les autres villes sont des villes très polluées, donc c'est important de venir avec ce genre de matériel-là pour limiter les infections respiratoires. Avec votre médecin, voyant aussi tout ce qui est problème contre la toux, les antidiarrhéiques, constipation, hein, tout ce qui touche en fait la sphère respiratoire et digestif, essayez de ramener votre lot de médicaments par rapport à ça, parce qu'on ne va pas jouer les pharmaciens là-bas. Hein, donc essayez de venir avec votre lot de médicaments sur ces pathologies-là qui peuvent survenir. Prenez également pour les personnes âgées des bas de contention, des attelles, parce que tous les problèmes liés à la marche peuvent entraîner des problèmes de jambes lourdes et de problèmes au niveau articulaire, genoux, chevilles, etc. Hein. Donc voilà, et puis psychologiquement et mentalement, essayez de regarder un petit peu, de vous mettre dans le bain, de regarder des vidéos un petit peu, ce qu'on a déjà fait au niveau de l'agence. Hein. Il y a déjà des vidéos qui sont très bien faites sur les manasik de Hajj, ça vous permettra un petit peu de vous mettre dans le bain et de diminuer un petit peu votre anxiété par rapport à ce grand voyage, à cette grande invitation. Hein. Voilà, donc hydratez-vous bien, prenez votre trousse médicale. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? La climatisation, c'est aussi un facteur important là-bas, parce que vous allez vous retrouver dans des chambres. Donc essayez de bien régler ça autour de 25-26 degrés à peu près. Hein. Essayez de prévoir aussi des vêtements pour vous changer, parce que quand vous allez rentrer dans vos chambres, vous allez être en sueur et trempé, et c'est là qu'on tombe malade. Hein. C'est là qu'on attrape les bronchites et angines. Donc essayez de bien régler cette climatisation, parce qu'on sait que c'est des facteurs qui vont faire que vous allez être malade. Pour les personnes qui ont du mal à marcher, prévoyez aussi un budget pour les fauteuils, soit pour louer, soit pour les acheter. Alors, c'est des prix, ça tourne autour de, à peu près, quand on fait le champ, ça fait 50-60 euros à peu près à l'achat, un fauteuil là-bas. Hein. À peu près. Les femmes, essayez de vous rapprocher aussi de vos médecins ou gynécologues pour les problèmes de règles et de contraceptifs. Hein, essayez de gérer ça. Voilà en ce qui concerne un petit peu la gestion du Hajj par rapport à ce qu'il faut se prémunir d'un point de vue médical. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir ensuite me les poser. Barakalofik Mustafa. Juste un petit rappel que j'ai oublié tout à l'heure concernant le bagage. Concernant les bagages, donc j'ai dit tout à l'heure, vous avez droit à 2 fois 23 kilos, mais barakallahu fikoum, venez avec des bagages dont vous savez que vous allez les jeter à la fin. D'accord? Venez pas avec des bagages tout neufs, venez avec des bagages vraiment dont vous savez qu'à la fin du Hajj, vous allez les jeter. Pourquoi? Parce qu'on fait tellement on change tellement d'hôtel et on fait tellement de transport que les bagages, c'est sûr et certain qu'ils vont se casser. D'accord? Et nous, on n'est pas responsable du bagage. Vous allez voir comment ils gèrent le bagage, c'est pire qu'à l'aéroport de Roissy. Ils les jettent, donc voilà. Je préfère vous prévenir dès maintenant, venez avec des bagages vraiment usés, achetez-les d'occasion, et vous dites dans vos têtes que ces bagages-là, quand on rentre du Hajj, on les jette, Inch'Allah. Autre chose très importante, en parlant de la chambre, concernant la relation qu'il y aura dans les chambres. D'accord? La relation et l'ambiance qu'il y a dans les chambres. Nous, les chambres, on les a fait en fonction de vos demandes à vous. Il y a des gens qui nous ont dit, nous, on veut être avec Flana, etc. Donc, les gens qui sont venus nous voir auparavant et qui nous ont demandé d'être avec un tel ou un tel, on l'a fait. Après, il y a des gens qui sont venus tout seuls ou alors il y a des gens qui nous ont rien dit. Donc, on l'a fait en fonction de nous, ce qu'on pouvait faire. L'ambiance qu'il y a dans la chambre, la relation qu'il y a dans la chambre, la clim, il fait chaud, il fait froid, on ne pourra rien faire. Et même vous changer de chambre, on ne pourra pas. On ne pourra pas le faire. D'accord? Et ça, c'est tous les ans, ça nous arrive. Des gens qui ne se connaissent pas, ils arrivent dans l'avion, ils voyagent ensemble, ils sympathisent. Arrivés là-bas, ils nous disent « mettez-nous dans la chambre ». Ça ne sera pas possible. Le second, l'habitation d'un hôtel pour 450-600 personnes, c'est un travail d'une semaine. S'il faut retirer une personne pour la changer, pour la remettre, etc.,
ça prend un temps fou. Et à savoir que déjà, ne serait-ce que la remise des clés, quand vous arrivez à l'hôtel pour 450 personnes, ça prend une journée. D'accord ? Donc le premier, il aura la clé de sa chambre, mais le dernier, il va avoir la clé de sa chambre à la fin de la journée. D'accord ? Donc il faudra patienter. Tout ce que vous a promis, tout ce que vous avez acheté, vous l'aurez, Inch'Allah. D'accord ? C'est acheté, c'est acté, c'est contrat. Il y a les contrats et tout ce qu'il faut. Juste, il faudra patienter avec nous. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Oui ? Parce que l'année dernière, j'ai dit si tout le monde est d'accord, tout le monde m'a dit oui ici, arrivé là-bas, fauda. Plus d'accord, plus. D'accord ? L'autre, je veux ma chambre, l'autre. Vous allez voir comment vous êtes. Une fois arrivé là-bas, on va commencer à dire il y a du monde, on va donner les premières clés aux vieux, aux malades. Vous allez voir que tout le monde est vieux, tout le monde est malade, tout le monde est handicapé. Donc, barakallahu fikoum, c'est un voyage, vous allez voir, c'est le voyage de la patience. Aujourd'hui, le Hajj, c'est plus le Hajj de nos parents. Hein. Dans les années 60, 70, vous allez voir, vous êtes dans des hôtels climatisés, les transports c'est climatisé, les tentes sont climatisées. Voilà, la seule difficulté, c'est la patience de supporter l'environnement dans lequel vous n'avez pas l'habitude d'être, de supporter les autres, etc. Ok ? Oui. Dans les chambres, vous aurez le nombre de clés par nombre de lits. Si vous êtes dans une chambre de 4, vous aurez 4 clés. Ça, Haja, il ne faudra pas venir nous voir pour nous dire elle veut du chaud, elle veut du froid, etc. Mais à la Kouli Hal, vous allez voir. Mettez-vous d'accord entre vous. D'accord ? Mais nous, on ne peut pas intervenir là-dedans et dire il faut mettre de la clim ou pas. Mais à la Kouli Hal, en tout cas, il sera hors de question d'éteindre la clim. Vous allez voir, il fait une chaleur. Les chambres, c'est des fours. Donc, mettre la clim à un juste milieu, ok, mais l'éteindre, ça ne sera pas possible, vous allez faire souffrir vos compagnons de chambre. Oui ? Haja, nous, on ne sait pas qui est asthmatique, qui n'est pas asthmatique, qui a du diabète, qui n'a pas de diabète. Nous, on n'a pas ces informations-là. Vous avez compris ? Nous, on a les seules informations qu'on a, c'est les gens qui sont inscrits ensemble. Ou alors les gens qui sont inscrits séparément et qui se connaissent et qui sont venus nous voir, on les a mis dans les chambres ensemble. Le reste, on n'a pas ces informations-là. D'accord ? Et autre chose, n'oubliez pas de prendre des serviettes de bain. Très important. Vous en aurez besoin à l'Aziziya et vous en aurez besoin à Mina. Serviettes de bain, trousseau de toilette, etc. Ok ? Prenez une serviette de bain. Si vous voulez prendre une deuxième, vous pouvez prendre une deuxième. Vous avez le droit de faire 2 fois 23 kilos. Si vous voulez faire 2 fois 23 kilos que de serviettes, vous faites 2 fois 23 kilos que de serviettes. C'est vous qui gérez. En tout cas, vous aurez besoin d'une serviette de bain à l'Aziziya et vous aurez besoin d'une serviette de bain à Mina. D'accord ? Je ne suis pas encore rentré dans les conditions de Mina, mais les conditions de Mina, c'est du camping. Hein. D'accord ? Les douches, c'est les toilettes et les toilettes, c'est les douches. Donc, on garde les questions pour tout à l'heure, Inch'Allah. Je passe la parole au Cheikh qui va faire le dar sur l'Umra, d'accord ? Et il va juste survoler les rites du pèlerinage. On ne va pas rentrer dans le détail dans les rites du pèlerinage. Pourquoi ? Parce qu'une fois sur place, une fois qu'on aura fini l'Umra, on fera des réunions comme ça tous les soirs. À chaque étape, matin, la veille, on se réunira. Et on se dira, voilà, le lendemain, il y a cette étape-là. Le Cheikh donnera les conseils religieux et moi je donnerai les conseils techniques avec les rendez-vous et les organisations, etc. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'si Allah wa rasulahu fala yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allaha shay'an amma ba'd. Donc nous allons passer sur le pèlerinage en lui-même, inshallah. Le temps a déjà coulé et je n'ai pas envie d'être trop pesant. Donc je vais essayer d'être succinct, de ne pas trop rentrer dans les détails. Et s'il y a quelque chose qui m'échappe, n'hésitez pas dans les questions, Inch'Allah, qui seront posées. Le pèlerinage, encore plus, n'oubliez pas que nous allons l'aborder une fois à la Mecque, Inch'Allah, le pèlerinage. Donc on ne va pas détailler aujourd'hui puisque le temps ne suffira pas. Tout d'abord, il faut se motiver qui veut aller au pèlerinage. Nous avons vu tout à l'heure
l'invitation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Ça fait partie des piliers de l'islam. Et Omar radiallahu anhu avait même dit j'avais eu l'intention d'aller dans les contrées et voir ceux qui ont les moyens de faire le pèlerinage et qui ne le font pas, afin de les assujettir à la jizya. C'est un impôt qu'on donne aux non-musulmans. Ils ne sont pas musulmans, Donc c'est une obligation. Maintenant, qu'est-ce qui nous motive? Je vais essayer de citer un ou deux hadiths pour voir la récompense. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tabi'u bayna al-hajj wal-umrah, fa'innahuma yanfiyani al-faqri wal-dhunub kama yanfi al-qir qabd al-hadith » ila akhirih. Wa laysa lil-hujjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Des fois, il y en a, on leur dit, faites le pèlerinage, ils disent, c'est cher, j'ai des projets de vie. Ils n'ont pas pris conscience qu'il s'agit là d'un pilier de l'islam. Et surtout, ils n'ont pas pris conscience qu'ils vont chez celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, en allant chez lui, c'est là où ils vont s'enrichir. Donc c'est un investissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par l'imam et Tirmidhi, hadith authentique, suivez les hajj et les umra, c'est-à-dire faites-en, multipliez-les, ils épurent, ils effacent les péchés et la pauvreté. Hein, si tu es pauvre, va faire le hajj ou la umra. Si tu veux t'épurer de tes péchés, va faire le hajj ou l'umra. Oui, mais c'est un budget, t'en fais pas. Tu vas récupérer encore plus. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soufflet du forgeron épure la pièce, qu'elle soit d'or, d'argent ou de fer. Et il n'y a de récompense, conclut le professeur Hassan dans le hadith, pour le pèlerinage béni, si ce n'est le paradis. Ça, c'est la première chose. Rappelez-vous aussi que le hadith du professeur Hassan authentique, « Al-Hujjaj, un wafd al-Rahman » Les pèlerins, dit le professeur Hassan, sont la délégation du miséricordieux. Da'ahum fastajabu. Il les a invités, ils ont répondu. Wasa'aluhu fa'artahu. Et ils lui ont demandé, il leur a donné. Donc vous êtes les invités d'Allah. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Hein, quand si demain tu as le président tel, le ministre, ou même rien que le maire de ta ville, hein, tu es invité. Personnellement, moi il m'a invité. Oui, t'es invité, t'es content, tu dors peut-être pas la nuit. Là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'invite. Et Allah qui te reçoit à sa table. Donc profite pour demander ce que tu as besoin. Profite pour bonifier ton voyage. Donc déjà, c'est une préparation psychologique très importante. On sait pourquoi on va. On va pas comme ça. On va pour se rapprocher d'Allah. Maintenant, le pèlerinage en lui-même. Il y a trois façons, ce qu'on appelle l'ansek, trois façons, trois rites différents pour le pèlerinage. Il y a l'ifrad, l'qiran et l'tamattu. L'ifrad, c'est que je pars de France avec l'intention seule de faire le pèlerinage. L'qiran, c'est que je vais avec l'intention de faire et le pèlerinage et la umra. Mais en ayant immolé, en ayant emmené avec moi une bête, ou... pour un cas particulier qu'on verra par la suite, pour les femmes qui, par en état, elles ont leur menstruée avant d'avoir entamé la Umra, et elles ne se sont pas purifiées lorsque le Hajj a commencé. Donc elles vont transformer leur tamattu' en qiran. Là, c'est important. Donc nous, le mode que nous allons développé, et c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé, que la majorité des gens aujourd'hui font, c'est ce qu'on appelle التمتع. Donc التمتع هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق وقصر فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. Donc c'est quoi le التمتع? Je pars, on prend un cas d'école, c'est-à-dire on prend notre situation. Nous allons partir de France avec l'intention de faire la Umra. On part de France avec l'intention de faire la Umra. Puis, donc nous allons faire la Umra. Une fois la Umra finie, on va se désacraliser. On va expliquer tout ça. Et après, on va attendre le début du pèlerinage, qui est le 8e jour de Dhul-Hijjah. Et ce jour-là, nous allons rentrer à nouveau en état de sacralisation pour faire le pèlerinage.
Donc ça se fait. Ça se fait en deux parties. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement conseillé cela. Il a dit Laoula anni soqtu al-hady la fa'altu mithl alladhi amartukum bihi. Si je n'avais pas amené avec moi mes bêtes, j'aurais fait ce que je vous ai ordonné, à savoir le tamattu'. Donc ça c'est le mode de pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Donc tout le monde, inchallah, je vous conseille ce mode-là, c'est de partir avec l'intention de faire une umrah, puis de se désacraliser encore une fois, puis par la suite de faire le pèlerinage. Petite précision importante, quelqu'un a déjà fait la umrah et il veut profiter de ce voyage pour faire le tamattu', mais pour faire une umrah par exemple pour son père et pour faire un hajj pour lui, il peut le faire. Donc il va avoir deux intentions différentes. Une intention qui sera pour la umrah, à condition qu'il l'ait déjà faite pour lui, et le hajj qui sera pour lui. Ou le contraire, s'il a déjà fait le hajj pour lui. Donc les deux sont valables, inshallah, et on pourra répondre si vous voulez, inshallah. Maintenant, essayons de développer un peu plus comment fait la umrah. إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام. Donc quiconque souhaite faire la umra ou le hajj, c'est dans les deux cas ça va être la même chose, il doit épurer son corps, donc couper ses ongles, épiler ses aisselles, raser akramakum Allah son pubis, ça c'est la sunna, puis se doucher. Donc cela, nous allons avoir un vol direct. Donc ça, on va le faire en France. Avant de partir, on s'est préparé. On se douche avant le départ, parce qu'on ne pourra pas, bien entendu, se doucher dans l'avion. Se doucher, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Après s'être douché, on se parfume. Donc là, on est en train de parler au moment, ce qui serait préférable, Inch'Allah, je vais sortir dans un quart d'heure à peu près, donc je fais ma douche. Là, c'est le mieux, c'est de le faire à ce moment. Et aussi, c'est bien d'être toujours en état d'ablution. Donc je fais ma douche, je fais mes ablutions, et attention, là, je ne suis pas encore dans la niya du hajj. Je le fais dans la sunna. Attention, je ne vais pas rentrer tout de suite en état de sacralisation. Je me suis douché, je me suis éventuellement purifié, épuré le corps, même la veille, ce n'est pas un problème. Mais là, je me douche seulement en pensant au hajj, mais ce n'est pas encore attention à l'intention du hajj. Parce qu'il y en a qui pensent que quand une fois ils ont mis l'ihram, c'est-à-dire qu'ils ont mis cette toge-là, les morceaux de tissu ou de drap de bain, ils sont en état de sacralisation. Non, tant qu'il n'a pas dit la formule du hajj, il n'est pas en état de sacralité. Et s'il dit la formule du hajj et il est habillé, il est quand même en état de sacralité. Donc il faut bien dissocier les choses. فإذا ليست هناك سنة من صلاة إذا أراد الإنسان أن يلبي أو يحرم. Ensuite, certains pensent que lorsque nous allons rentrer en état de sacralité, on va devoir faire deux unités de prière. Non, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait deux unités quand il était à Dhul Hulayfa, du fait qu'il était dans une vallée sacrée, et non pas par rapport au pèlerinage lui-même ou à la umrah. D'accord ? Donc, je me suis douché chez moi, je reviens. Si je veux mettre mon ihram et au-dessus une gandora, soit. Nous l'an dernier, ce qu'on a fait, c'était dans l'avion, on s'est changé. Parce qu'il y a un petit coin prière, il y en avait qui priaient, les autres étaient derrière en train de s'échanger. Pour ce qui est des femmes, elles restent dans leur habit normal. Quand je dis normal, attention, on se comprend. Une année, normale, notre sœur est venue en pantalon. Normal, dans une tenue qui est adaptée, Inch'Allah, à ces lieux-là. Donc, quand allons-nous rentrer en état de sacralité ? Ça, c'est la première question. Lorsque nous allons arriver à hauteur du miqat, le prophète Hassan nous a donné une limitation, une frontière géographique qu'on ne doit pas dépasser.
Pour nous, ce sera ce qu'on appelle Rabir. C'est environ 182-186 km de la Mecque. Ça va être annoncé au micro, ne vous inquiétez pas. Donc, à peu près, on va dire 180, à peu près trois quarts d'heure, une heure avant, maximum, on commence à se préparer déjà. Donc c'est important de se préparer, de s'habiller. Et c'est pas obligé, attention, il y en a, ils paniquent, ils ne sont pas en état d'ablution. C'est pas obligé d'être en état d'ablution. Ou si vous n'avez pas pu, il y a trop de monde, etc., c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous ayez mis votre ihram, l'habit. Par contre, il faut enlever tous les vêtements, même s'il y a une petite divergence d'après notre mère Aïcha qui permettait, elle, que par rapport à ses serviteurs, on a vu qu'elle permettait qu'ils mettent ce que moi appelle aujourd'hui un caleçon. Mais bon, la grande majorité des savants dit on ne porte rien, sauf les cas de personnes qui sont malades. Et là, ça, c'est autre chose. L'homme, on dit souvent, l'homme, yatajannabul mahit, il ne prend pas ce qu'on appelle le mahit. Il faut savoir que ce mot mahit, nous en maghrébin, on dit mkhayyat. Mais ce n'est pas la même chose. Quand on pense mkhayyat, c'est quelque chose de cousu. Et ce n'est pas une expression qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons. C'est apparu à l'époque des tabi'i, des successeurs, Ibrahim al-Nakhai, c'est lui le premier. Par contre, le prophète, lui, quand il a été questionné, qu'est-ce que met le pèlerin? Il n'a pas fait une niche, il a dit ce qu'il ne met pas, c'est plus court. Il ne met pas de barnos, il ne met pas de turban, il ne met pas de toge, il ne met pas de chemise, de pantalon. Voilà, il ne fait pas ça, c'est plus court. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Elle nous indique, malgré la divergence chez les savants, que toute personne qui porte, par exemple, une ceinture de contention, une coudière, une genouillère, pour celui-ci, il n'y a pas de fidia. C'est important, ça. Bien que la majorité des savants disent qu'il y a, Ibn Uthaymin, rahimahullah, par exemple, lui, il va donner trois catégories de fidia, c'est-à-dire comment se rattraper quand on fait une erreur ou quelque chose qu'on ne doit pas faire. On ne va pas rentrer pour ne pas se disperser, inshallah. Donc nous allons arriver au miqat, donc à cette frontière-là. Je suis prêt, je suis habillé. La femme ne doit pas porter des gants, c'est ça, et elle ne doit pas se recouvrir, mettre le niqab. Elle peut se recouvrir le visage, mais pas mettre le niqab. Donc à partir de là, je vais entrer en état de sacralisation. Qu'est-ce que je vais dire? Attention, c'est important. Ça fait partie des roknes. Ça, il faut le connaître. Il y a beaucoup de choses, on va dire c'est recommandé, c'est bien de le connaître, mais là, on est dans les piliers. Si vous passez à côté d'un pilier, votre pèlerinage n'est pas valable. Ça, il faut le connaître. Le pèlerinage a quatre piliers. La Umra en a trois. Pour la Umra, les trois piliers sont Al-Ihram, le fait de rentrer en état de sacralité, Al-Tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, la circonvallation, et Al-Sa'y, les parcours que nous faisons entre Safa et Marwa. Pour le Hajj, on rajoute un quatrième pilier, c'est la présence à Arafat. Donc ça, c'est important. Si tu dépasses la frontière, cette limite géographique, sans être rentré en état de sacralité, tu ne valides pas ton Hajj. Maintenant, si avant d'avoir entamé ton Hajj ou ta Umra, tu dis ton intention, donc tu vas rattraper une partie, à savoir que ton pèlerinage sera valable, mais tu devras immoler une bête. Donc on ne va pas rentrer trop dans ces détails-là encore une fois. Donc j'arrive au miqat, à cette frontière-là, je vais dire Labbayk Allahumma Umra. Oh Allah, je réponds à ton appel pour faire une Umra. Je peux rajouter Mutamatti'an biha ila al-Hajj, ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, Labbayk Allahumma Umra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoutait Labbayk Allahumma Umra, la ria'a fiha wa la sum'a. C'est important. On a dit la sincérité. Oh Allah, je réponds à ton appel pour faire une Umra, non pas pour être vu ni être entendu. C'est pour toi, c'est tout. Ça, c'est très très important. Ça, si tu rentres en état de sacralité. À partir de maintenant, tu ne parfumes plus. À partir de maintenant, tu ne coupes pas les ongles, ni les cheveux, ni rien. Tu es en état de sacralité. Note important, même une femme qui aurait ses règles, c'est la même chose. Elle rentre en état de sacralité. Elle fait tout ce que le pèlerin fait, si ce n'est qu'elle ne prie pas. Elle ne fera pas le tawaf pour l'instant.
Donc, mais elle rentre en état de sacralité, c'est important. Parce que si elle l'a dépassé, elle a les mêmes sanctions, à savoir, elle devra immoler une bête. Donc, quand j'arrive au miqat, quelle que soit ma situation, je dis cette formule-là. Ensuite, il est recommandé de faire ce qu'on appelle du'a al-ishtirat. Certains savants disent c'est pour celui seulement, du'a où je pose une condition. Certains savants disent il ne faut dire cette invocation que si on a peur de ne pouvoir aller au terme de son hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu une femme malade, dans une certaine version c'était une de ses épouses, dans une autre c'était une autre femme, et un peu obèse, il avait peur pour elle qu'elle ne puisse finir son hajj. Donc il lui a dit, ishtariti, pose une condition. Allahumma in habasani habisun, famihilli haythu habistani. Ça c'est très très important. Là, on a deux choses importantes. Connaître les piliers, il ne faut pas dépasser la frontière. Deuxième chose importante, ce dua l'ishtirat. Allahumma in habasani habisun, famihilli haythu habistani. Nous dans l'avion, on va le répéter aux gens, ne vous inquiétez pas. Mais, oh Allah, s'il y a un obstacle qui m'empêche d'aller au terme de mon pèlerinage ou de ma omra, mon pèlerinage ou ma omra prendra fin à l'endroit où je m'arrête. Là, ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose, la qadrallah, je tombe malade et je ne peux pas aller au bout, je peux enlever mes habits et je n'ai pas de bête à immoler. Sinon, je suis obligé d'aller au terme, donc je suis obligé de rester dans mes habits. Si j'ai une hospitalisation, je n'ai pas le choix. Par contre, quand j'ai posé la condition là, je suis exempté d'aller au terme. Donc elle est très importante. Donc la baik Allahumma umra. Si je fais la umra pour quelqu'un d'autre, je dois mentionner son nom. La baik Allahumma umra li foulen. Oh Allah, je réponds à ton appel pour le frère un tel, pour la sœur un tel. Donc je fais pour quelqu'un, je le nomme. Admettons qu'il y a un oubli. J'oublie, j'ai dit la baik Allahumma umra et j'ai oublié de dire pour un tel. Du moment où je suis sorti de chez moi avec cette intention-là, c'est valide, inchallah, on ne s'inquiète pas. Mais c'est mieux de le préciser et de le formuler. Donc, la baik Allahumma umra, la baik Allahumma umra, la riya'a fiha wa la sum'a. Ensuite, du'a l'ishtirak, Allahumma in habasani habisun, fa mihilli haythu habisun. Ensuite, on commence la talbiya. La baik Allahumma la baik, la baik la sharika laka la baik, inna alhamda wa ni'mata laka wa al-mulk la sharika. On répète cela sans cesse, on essaye de le faire sans cesse, jusqu'au moment où on va arriver devant la Kaaba pour le tawaf. Nous allons, donc là je résume, je vais dire très vite, nous allons arriver à la Mecque. Donc on est toujours, n'oublions pas, dans le chemin de faire la talbiya, on peut s'arrêter, faire des doigts, faire du zikr, jusqu'au moment où on va commencer le tawaf. Donc on va rentrer, tout d'abord on va aller dans nos hôtels, on va poser nos bagages. On a le droit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, avant de faire la umrah, il s'était douché. Donc tu as le droit de te doucher, mais évite. Évite tout ce qui est shampoing ou savon parfumé. Maintenant, si le parfum est intrinsèque à ce savon, comme par exemple le savon de Marseille, il est naturellement parfumé, hein, on ne cherche pas le parfum, le chef de la famille dit « c'est pas grave ». Mais essayez d'éviter au maximum le parfum. Même certains savants disent que même dans la nourriture, quand on est à de sacralité, il faut faire attention à ne pas prendre des choses parfumées, relevées. Éviter, ce n'est pas interdit, alors on ne va pas aller jusqu'à l'interdiction, mais il faut éviter cela. Donc je me suis douché, j'ai le droit de me brosser, même si certains cheveux tombent, c'est pas grave, puisque je ne cherche pas à les faire tomber. Mettons quelqu'un, il a un ongle qui se retourne, il n'a pas le droit de le couper, mais s'il y a une gêne réelle, il risque qu'il y ait une infection, il a le droit de le couper. Donc c'est un cas de nécessité. Sinon, on n'a pas le droit de couper aussi les ongles. Ensuite, nous allons donc nous diriger, Inch'Allah, quand il nous sera donné la permission. Il faut rester en groupe, c'est important pour pas qu'on se perde. On va se diriger vers Al-Masjid Al-Haram, la mosquée sacrée. Quand nous arrivons à la mosquée sacrée, c'est une mosquée par définition. Donc comme dans toutes les mosquées, je rentre avec le pied droit, Bismillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, Allahumma ghfirli wa aftahli abwaab rahmati. Bismillah, et ensuite les prières, les bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah pardonne-moi et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ensuite je me dirige, il y a des doigts qui sont recommandés, d'Abdallah ibn Abbas, on passe, c'est que des recommandations.
je me dirige directement vers la pierre noire. Donc là, précision. Si j'arrive à un moment où c'est l'heure de la prière, je n'oublie pas, donc j'évite de commencer tout de suite la ramra, pour ne pas être coupé. Donc là, je vais m'asseoir. Mais avant de s'asseoir, il ne faut pas oublier Tahiyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, Tahiyat al-Masjid, ce n'est pas le tawaf. C'est pareil que dans toutes les mosquées. Tu fais deux unités de prière et tu t'assois. Donc c'est important ça. Je m'assois et j'attends la prière et ensuite j'entame. Parce que quand on est coupé par les prières, c'est compliqué. Alors, les frères de l'agence, mashallah, ils ont l'expérience, mais une omra qui peut durer deux heures, tu l'entrecoupes par des prières, ça peut être multiplié par deux, quatre heures. Donc il faut éviter les moments où il y a des prières rapprochées. Ça, après, c'est l'organisation qui s'occupera de cela. Donc, je me dirige vers la pierre noire ensuite. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle l'ittiba. L'ittiba, c'est à ce moment où je vais dénuder mon épaule. L'épaule droite. Attention, il y en a qui, dès Paris, quand ils mettent leur ihram, ils dénudent l'épaule. Non, on ne dénude l'épaule qu'au moment du tawaf, et ce tawaf de la Umrah al-Qudum, pas un autre tawaf, c'est-à-dire le tawaf du dixième jour pendant le Hajj, on ne dénude pas l'épaule. Donc, avant de commencer le tawaf, je vais dénuder, pour les hommes bien entendu, l'épaule droite, les femmes elles sont toujours dans leur tenue ordinaire, et je commence le tawaf en laissant la Kaaba à ma gauche. Donc je vais commencer mes sept tours. Je commence, je fais signe, Bismillah, Allahu Akbar, vers la pierre noire. En état d'ablution, c'est important. Là, il y a une divergence chez les savants. La majorité considère qu'il faut être en état d'ablution. Chez les Hanafites, et c'est le propos d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que ce n'est pas une obligation. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a un propos intermédiaire qui me paraît sage. Il dit qu'il faut rentrer dans ton tawaf avec l'état d'ablution. Ça, il faut faire l'effort. Mais maintenant, quand il y a du monde et que tu ne peux pas sortir, ton tawaf est valable. Vous voyez, c'est un juste milieu qui me paraît raisonnable, Inch'Allah. Donc on rentre en état d'ablution, la Kaaba est sur notre gauche, on fait signe. Si on peut embrasser la pierre, c'est mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ça fait chuter les péchés en grande quantité. Si on ne peut pas, on fait signe de loin. Bismillah, Allahu Akbar. Le bismillah, ça a été rapporté des compagnons et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on commence au moins par bismillah, Allahu Akbar. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé devant la pierre noire, il disait Allahu Akbar. C'est important. Vous avez un néon vert, donc entre le néon vert et l'angle où il y a la pierre noire, imaginez une ligne. Vous ne devez pas dépasser cette ligne-là. Hein? C'est le début de votre tour. Bismillah, Allahu Akbar, et vous commencez votre tour. Vous allez après avoir Al-Hijj Ismail, un petit muret, que vous devez passer à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Si vous passez à l'intérieur, cela annule votre tour, parce qu'il fait partie de la Kaaba. Donc vous passez à l'extérieur, vous faites sept tours comme ça. Quand vous arrivez au troisième angle, c'est-à-dire l'angle qui précède la pierre noire, il s'appelle l'angle yéménite, Rukn al-Yamani. Vous passez la main dessus si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ne faites pas signe de loin. Et entre cet angle-là et la pierre noire, vous dites ce doa qui est recommandé, pas obligatoire, ne vous inquiétez pas. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le tawaf c'est comme une prière sauf qu'il nous a été permis de parler en cas de besoin. En cas de besoin, encore une fois. On dit c'est pas le moment de faire des selfies, de discuter. Donc on fait du dhikr, des évocations, on fait du dua, hein, de l'invocation. Et Qira'at al-Qur'an aussi, qui est bien. Donc on pense aux personnes. C'est important d'être concentré. Et je conseille à nos frères qui sont avec leur mère, leur sœur, etc., de mettre cette personne, à savoir la femme, devant eux. Et j'avais lu des reportages. Et hélas, j'ai étudié en Arabie, donc je sais comment que ça se passe. Il y a des vicieux partout. Il y en a qui ne respectent pas la Kaaba.
Donc il ne faut pas s'étonner qu'il se passe des choses parfois qui sont condamnables. Ça nous choque, nous, parce que la Kaaba est sacrée pour nous. Mais il y en a, ils sont là-bas pour voler, akramakumullah, pour toucher, etc. Donc mettez votre femme devant vous, votre sœur, et faites votre tawaf sereinement. Après, il ne faut pas non plus être parano. Mais prenez, prenez vos devants et faites attention à cela. Il ne faut pas être un petit peu naïf. Le monde, c'est le monde, et le monde a bien changé, hélas. Donc, quand j'ai fini le tawaf, donc à chaque fois, je fais la même chose. Quand j'ai fini le septième tour, je vais passer une huitième fois devant la pierre noire. Là aussi, on a dit qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant la pierre noire, il disait Allahu Akbar. Donc en vérité, je vais dire Allahu Akbar huit fois. Au début des sept, donc ça fait sept, et à la fin du septième, ça fait huit. Une fois que j'ai fini, la première chose que je fais, je recouvre mon épaule. Il est recommandé aussi aux hommes, pendant les trois premiers tours, d'accélérer le pas. Pas de courir, d'accélérer le pas. S'ils peuvent, bien sûr, il est évident qu'avec le monde qu'il y a, c'est quasi impossible. Donc, il est conseillé, mais ce n'est pas une obligation pour les hommes et non pas pour les femmes. Ensuite, je me dirige, une fois que j'ai recouvert mon épaule, vers Maqam Ibrahim, la station d'Abraham. Et là, je vais faire deux unités de prière. Deux unités de prière. Dans la première, je vais lire la Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun. Dans la deuxième, je vais lire la Fatiha et Qul huwallahu ahad. Si je ne connais pas, je lis ce que je veux. Celui qui connaît avant, il dit Wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. S'il ne connaît pas, c'est pas grave. Si tu peux prier derrière la station d'Abraham, tant mieux. Si tu ne peux pas, tu pries n'importe où. Par contre, il faut qu'il y ait une sutra, quelqu'un qui vienne, surtout quand vous êtes en groupe, quelqu'un qui vient devant toi pour éviter que quelqu'un passe devant toi. Il n'y a pas d'exception parce que tu es à la Mecque. Bien que certains le disent, hein, je ne partage pas cet avis, Allahu ta'ala a'la. Donc une fois qu'on a fini, et une fois ayant fini, pardon, le tawaf, puis nos deux prières, il ne faut pas être long, hein. Il y a tellement de monde, on a du mal à nous concentrer, donc il faut être bref. Une fois qu'on a fini nos deux unités de prière, on se dirige pour boire de l'eau de Zemzem. C'est juste à côté. Vous montez, avant c'était dans la cour même, maintenant vous montez un peu plus haut, vous buvez de l'eau de Zemzem, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut en boire jusqu'à ballonnement. Il faut vraiment boire, et il dit, « Ma ou Zemzem limashuri bala. » L'eau de Zemzem est ce pourquoi elle a été bue, mélania pour la guérison, pour ce que tu veux, avec sincérité. Prends de l'eau, pose-la sur ton corps, comme faisait le prophète. Il y a un dua que disait Abdullah ibn Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa shifa'an kulli da'. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Comme pour le tawaf, je ne vous conseille pas ces livres, il te dit, premier tour, tu dis tête dua, deuxième tour, ça n'existe pas ça. Tu dis ce qui vient de ton cœur, du fond de tes entrailles. Il faut dire ce que tu ressens, ce que tu as besoin. Va pas dire des doigts dont tu ne comprends même pas le sens. Tu connais Allahumma arfili, tu connais oh Dieu protège mes enfants, oh Dieu guide mon épouse, tu connais tout ça. Oh Allah préserve-nous du châtiment de la tombe, oh Allah préserve la communauté. Tu connais tous ces doigts, concentre-toi sur ça. Va pas chercher des complications où tu ne comprendras pas le sens. Et n'élevez pas la voix afin de ne pas gêner, comme on verra, d'autres personnes qui sont autour de toi. Donc ça c'est partout, que ce soit au Safa ou au Marwa, que ce soit dans le Tawaf, fais les doigts qui viennent de tes entrailles. On m'a posé la question hier, est-ce que je peux faire les doigts dans une autre langue que l'arabe? C'est dans la prière où on doit seulement réserver l'arabe. Hors de la prière, on peut utiliser une autre langue. Mais la prière, non, il faut vraiment se cantonner à l'arabe. La prière doit être faite de A à Z en langue arabe. Ensuite, une fois que nous avons bu, on se dirige vers As-Safa et Marwa, le mont Safa et Marwa. Quand nous arrivons à As-Safa, donc il faut savoir que As-Safa et Marwa, déjà, il est à l'extérieur de la mosquée, juridiquement parlant. C'est à l'extérieur de la mosquée.
Donc là, je me dirige et je dis « Inna safa wal marwata min sha'a'ilillah wa min hajj al-bayta wa atamara fa la junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawa khayran fa huwa khayrun lahu » etc. Donc, celui qui connaît, il le dit, celui qui ne connaît pas, c'est pas grave. Ensuite, je dis pour le premier tour « Abda'u bima bada' Allah » Je commence par ce que Allah a mentionné pour le début, c'est-à-dire « Safa ». Donc là, je monte sur le mont Safa, c'est légèrement relevé, et là, j'essaye de trouver la Kaaba des yeux. Regardez par terre, vous allez voir le marbre par terre, les traits, les lignes. Les lignes, c'est la direction de la Qibla, c'est un repère. Donc, essayez de trouver, mais sachez que les lignes qui sont par terre indiquent la Qibla. Donc, vous essayez de trouver la Kaaba, et là, vous allez lever vos mains, et vous allez faire trois fois le doua suivant. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Et vous faites les doigts que vous voulez trois fois. Normalement, la sunna, c'est de le faire longuement. Mais là, on ne va pas vous laisser, il y a tellement de monde. Donc, vous ferez des doigts quand vous serez entre Safa et Marwa. Donc là, vous avez fait ces doigts à trois reprises. Ensuite, vous allez vers Marwa. Pendant tout ce cheminement-là, pareil que le tawaf, des doigts, lecture du Coran. Après, vous allez arriver à hauteur des néons verts au-dessus de vous. Autrefois, à l'époque de notre mère, la femme d'Abraham, salam, Sarah, Hajar, ici, elle perdait son fils quand il l'a laissé, Ibrahim, à la Mecque. Elle manquait d'eau. Donc elle allait, à l'époque, il n'y avait pas la Kaaba. Donc elle allait à l'endroit, elle l'avait posé à l'endroit où aujourd'hui il y a Zemzem, il n'y avait pas. Donc elle cherchait de l'eau. Elle allait aux deux montagnes, les deux monts les plus hauts. Elle allait à Safa, regardez si au loin il y avait des voyageurs. Elle ne trouvait pas. Donc elle allait à Marwa, un peu plus loin de l'autre côté. Mais entre les deux, il y avait un oued, un genre de vallée. Et là, elle perdait son fils de vue. Donc elle courait. Et c'est ce qu'on fait. On court comme elle faisait elle. Donc, et là, après, il y a un doua qui est recommandé. Celui qui sait, tant mieux. Celui qui ne sait pas, c'est pas grave. Rabbi ghfir warham wa tajawaz innaka antal a'azil akram. Celui qui ne connaît pas, c'est pas grave. Doua. La course est faite pour les hommes, non pas pour les femmes. Donc j'arrive à Marwa. Je fais exactement la même chose qu'à Safa. Hein, les mêmes doua, etc. Donc je vais faire ça. Une fois entre Safa et Marwa, c'est le premier tour. Entre Marwa et Safa, deuxième, attention. Là, ils font un aller-retour, ils pensent que c'est une. Non. Entre Safa et Marwa, c'est le premier parcours. Marwa, Safa, deuxième. Donc je vais finir en fin de compte Al-Marwa, le septième tour. Et pareillement, et c'est un sujet de divergence, au bout de huitième, est-ce que je fais encore des invocations ou pas? L'avis que je partage, c'est que je fais des invocations au huitième tour, inch'Allah. Donc après, encore une fois, c'est une divergence entre les savants. Chacun adhère à ce qu'il pense être juste. Une fois que j'ai fini cela, j'ai pratiquement fini ma Umrah. Il me reste à raser ma tête ou à raccourcir les cheveux. S'il y a du temps avant le Hajj, il est préférable de raser. Sinon, il suffit de raccourcir. Donc là, nous, on va arriver à deux jours après du début du Hajj. Donc là, on va raccourcir, Inch'Allah. C'est mieux, après, chacun voit ce qu'il veut. Donc on va raccourcir les cheveux. Les femmes, elles prennent ce qu'on appelle « qadr al-ammoula », c'est-à-dire à peu près la grandeur d'une phalange. Mais elles ne le font pas devant les gens. Elles le font quand elles sont dans l'intimité de leur pièce. Et elles le font, comme pour les hommes, on ne prend pas une partie de cheveux ici ou là. Pareillement, de toute la tête. Les femmes, pareillement, du bout de leurs cheveux, du bout de leur tresse, elles rassemblent les cheveux, elles coupent, qadr al-ammoula, 1 ou 2 cm, pas plus. Donc voilà, quand on a fini cela, enfin on est désacralisé. Là, on vient de finir la Umrah. Donc à partir de maintenant, je fais tous mes permis. Même celui qui est avec son épouse, il peut s'approcher de son épouse. Je suis en état de désacralisation. Mais attention, la sœur qui avait ses menstrues, elle ne s'est pas désacralisée, elle n'a rien fait. Donc elle n'oublie pas, elle est toujours en état de sacralisation. Donc il ne faut pas qu'elle oublie cela. Pour elle, comme on a dit, si elle s'est purifiée, alhamdulillah, avant le début du pèlerinage, le hajj en lui-même, tant mieux. Ou sinon, si le hajj a commencé et elle se rend sur les lieux du hajj et qu'elle n'a pas la possibilité, elle va transformer l'intention de tamattu' en intention de qiran. Donc elle aura l'intention de faire les deux à la fois,
le Hajj et la Umra, et elle devra égorger une bête. Mais parce que l'intention est qu'elle est, même si elle ne fera qu'un tawaf et un sa'y, mais l'intention d'avoir les deux à la fois. Donc ça, c'est un cas particulier pour les sœurs. Maintenant, comme avait dit le frère médecin tout à l'heure, c'est que les sœurs doivent essayer de gérer ça avec leur gynécologue, c'est permis en islam. Et on a des textes qui mentionnent qu'à l'époque du prophète Salama, ils prenaient des boissons, les femmes prenaient des boissons afin d'arrêter leurs menstrues. Je me rappelle, notre chir nous disait que Cheikh Mohamed Atiya Salim rahimallah, que les femmes prenaient une mixture à base de siwek afin de bloquer leur menstrues. Donc cela est permis, alhamdulillah. Donc là, on a fini sa omra, alhamdulillah. Maintenant, on va attendre le pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est le 8e jour de Dhul-Hijjah. Donc là, on va rentrer en état de sacralité à partir de notre autel. On n'a pas besoin d'aller devant la Kaaba comme certains le pensent. Et donc là, c'est ça qu'on fait exactement, bis repetita, on fait la même chose qu'on a fait au début de la Umra. Se purifier le corps, si on peut, hein, s'il n'y a pas besoin de couper des ongles ou de se purifier, il n'y a pas besoin. Donc on se douche, bien entendu, c'est une recommandation, on se parfume pour les hommes, et puis on met son ibès, son habit d'ihram, et bien entendu on se prépare au hajj. Le 8e jour, nous le passons à Minen, donc ça on développera à la Mecque, Inch'Allah. 8e jour à Minen, le 9e on sera à Arafat, la nuit du 9 au 10 on sera à Muzdalifa, le 10 c'est le grand jour du pèlerinage, hein, c'est pour le tawaf, égorger de sa bête, se raser, se désacraliser. Ensuite le 11, 12, voire le 13, nous sommes à Minen à jeter des pierres sur les stèles. Donc tout cela, nous le verrons sur place, Inch'Allah, parce que ça prend du temps pour développer. Pour ceux qui sont pressés d'avoir la suite, éventuellement, hein, cet après-midi j'ai un cours à Fontenay-sous-Bois, je vais développer la deuxième partie. Hier, on a fait la Umra. Cet après-midi, on va faire le Hajj, on va développer. Ou sinon, vous inquiétez pas, la Mecque, on va tout développer, Inch'Allah. Donc là, on se concentre sur la Umra, Inch'Allah. J'espère que ça a été assez clair. C'est pas difficile. Après, il est clair, comme on dit, Annas ou Arda ou Majahil, où les gens détestent ce qu'ils ignorent. Donc les gens ont peur de ce qu'ils ignorent. Il y a une appréhension, c'est normal. Mais sachez que la chose que vous aurez le plus besoin, c'est la sincérité avec Allah. La connaissance des rites que vous faites et la patience. Si vous avez ça, Inch'Allah, le hajj sera facile. Ne soyez pas des grincheux. Arrêtez de vous plaindre. Toutes les années, il y en a qui se plaignent. Toutes les années, pour des choses qui ne sont pas... Si tu veux annuler ton pèlerinage, arrête pas de te plaindre. Alors là, tu es sûr que tu n'auras pas la récompense de ton pèlerinage. Il faut prendre sur toi. Wallah, il faut prendre sur toi si tu veux la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense, ça veut dire quoi? Arrête de te plaindre. Ça va être difficile, on va être dans des chambres avec des gens qu'on ne connaît pas, dont les habitudes ne sont pas les mêmes. Tout ça va être difficile. Donc il faut, ça fait partie du pèlerinage, prendre sur soi. As-salallahu subhanahu wa ta'ala, yuffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ainsi que vous le pèlerinage, Inch'Allah. Et je vous rappelle encore une fois, comme avait dit le frère tout à l'heure, n'oubliez pas de prendre votre ihram dans vos bagages à main. D'accord? Dans les bagages à main. Parce que sinon, vous serez dans une situation indélicate. On trouvera toujours des solutions, Inch'Allah, mais pour ne pas tomber dans des travers où on sera mené à commettre des péchés. Donc, j'insiste. L'entrée en sacralisation se fera dans l'avion. Et Jeddah n'est pas un miqat. Nous, dans le Maghreb, on a souvent entendu dire Jeddah, c'est le miqat. Quand on arrive à Jeddah, on entre en état de sacralisation. Non, c'est dans l'avion on va entrer en état de sacralité. Si tu dépasses l'avion, le miqat de Rabir, environ 180 km de Jeddah, si tu le dépasses, ou de la Mecque plus exactement, si tu le dépasses, tu devras sacrifier une bête. Donc faites attention à ça, on répondra aux questions après, parce qu'il finit sa partie technique, afin de ne pas créer de la lassitude. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed, pour ce rappel sur l'Umra. Le frère Aqba va vous faire une démonstration pour les hommes, comment on met l'Ihram. Donc l'Ihram, c'est deux morceaux, un izar et un rida. Donc on met le pan en bas, le premier pan on le met en bas. Donc on revient sur soi et après on retourne. D'accord. Écartez vos jambes quand vous le faites, comme ça, ça vous laisse de la marche pour pouvoir marcher. Il faut absolument que le bas de l'Ihram, il soit au-dessus du nombril. D'accord.
Et bien sûr, en dessous, pas de caleçon, pas de chaussettes, rien du tout, on est tout nu. Au-dessus, le deuxième pan qu'on met sur ses épaules et qu'on fait revenir sur soi. Voilà, comme ça. Si vous avez peur que ça ne tienne pas, vous pouvez mettre une ceinture, donc ici au niveau de la taille, et vous recouvrez par-dessus. Pareil pour ici, vous pouvez mettre une épingle, d'accord? Et sinon, pour les pros, bah voilà, c'est comme ça. C'est bon? Voilà, que l'on fait que... Aussi, quand on va arriver en face de la Kaaba, Inch'Allah, donc il faudra se dénuder l'épaule droite, et ça sera comme cela. D'accord? Il faut absolument que ça passe par en dessous et qu'ici, il n'y a rien. Donc, on n'attache pas ici et on dénude l'épaule, non. On passe par en dessous et on dénude l'épaule. Voilà que l'on fait. Je vais faire monter Qaïs, s'il te plaît. Barakallahu. Donc je vais laisser la parole à Qaïs, c'est l'ingénieur qui nous a fait la conception de l'application partiralamec.com pour pouvoir repérer nos pèlerins où est-ce qu'ils sont et communiquer avec eux. Donc je vais vous laisser la parole pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Barakallahu. Dans son souci de satisfaire ses pèlerins, donc Mohamed m'a demandé de concevoir une application. Une application qui permette de mieux vous servir. Donc en fait, ce que fait l'application, elle capture tout ce qui est dans votre livre. Là, tout le monde, je pense, a reçu le petit bouquin gris là, de partiralamec.com. Donc tout ce qui est dans le bouquin est intégré dans l'application. Vous allez pouvoir la télécharger, d'ici 72 heures, je pense. Pour ceux qui sont sous Android, vous pouvez déjà la télécharger. Elle est sous le nom Partir à la Mecque. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'instant, parce que donc, ça s'est fait assez rapidement. Comme l'a dit Mohamed, il faudra être un peu indulgent dans la mesure où on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de tests. Je pense de ce qu'on a pu voir pour l'instant, ça devrait marcher. Elle ne vous coûte rien, c'est un service supplémentaire. J'apprécierais malgré tout que si vous avez des retours, vous me les faites, je serai à la Mecque avec vous. Je suis un pèlerin comme vous, je ne suis pas du tout... je ne suis pas un membre de l'agence. Et donc, si jamais vous avez des retours, ça m'intéresse pour que les prochains pèlerins, l'année prochaine, bénéficient d'un service parfait. Ce sera une application qui est en français et en anglais pour le moment. Elle sera l'année prochaine en langue arabe. Vous retrouverez les invocations, les miqats, tout ce qu'il y a à dire sur le miqat, les rites de la Umra, du Hajj, les visites à Médine, les fatwas. C'est pas facile de montrer ici. Vous avez toutes les parties du pèlerinage. Donc selon à l'endroit où vous êtes, vous pouvez cliquer, c'est tout à fait tactile, c'est intuitif sur l'endroit où vous êtes. Typiquement, l'état de sacralisation dont le chef vient de parler, vous avez en fait le doha qui est mentionné, vous avez tout ce qui est dans le bouquin qui sera mentionné dessus. La particularité de l'application, c'est que quand vous serez normalement dans un des endroits du pèlerinage, vous aurez, si elle est active, automatiquement les doigts qui vont apparaître comme un pop-up. Donc quand je suis à Arafat, vous aurez automatiquement la géolocalisation d'Arafat. L'application est censée être assez intelligente pour savoir que vous êtes à Arafat et vous aurez les doigts d'Arafat qui apparaîtront. Ok. En plus de cet aspect-là, j'ai rajouté à la géolocalisation la possibilité de, pour les différents guides que vous avez vus qui sont juste là, chaque guide aura un groupe qui est mentionné. En fait, chaque guide aura ce groupe-là associé à son application. Donc, disons que 10 personnes sont dans un groupe, les 10 personnes verront géolocaliser leur guide, on va dire que c'est Adel, ils verront Adel, ils pourront le géolocaliser. Et Adel pourra, lui, géolocaliser chacun de ses 10 membres de son groupe. Ça évitera, j'espère, que les gens se perdent. En revanche, ça ne marche évidemment que si les gens ont ouvert l'application et qu'elle est active. Sinon, ça ne marchera pas. Et Adel pourra faire des chats, comme avec WhatsApp, sur son groupe. Donc il ne peut pas, Adel par exemple, ne peut pas communiquer avec le groupe numéro 3 si lui est le groupe numéro 7. Les membres du groupe numéro 7 de Adel ne pourront pas
communiquer avec Adel, mais par contre lui pourra communiquer avec eux. Pourquoi ? C'est pour éviter les discussions intempestives qui n'en gardent personne, où tout le monde va communiquer avec tout le monde. Ce n'est pas l'objet de l'application. Et puis Adel pourra avoir chacun des membres de son groupe. Pour les familles qui sont venues ensemble, j'aimerais avoir, en fait, il faudrait que je vois pour avoir la liste des familles. Ce que je préfère, c'est mettre les familles ensemble. Donc si je suis avec ma femme et mes enfants, eh bien je peux chatter avec eux par l'intermédiaire de l'application et je peux chatter avec mon guide qui est Adel. Et Adel peut chatter avec moi et avec l'ensemble du groupe. Et ça te ferait tout, donc le chat, la géolocalisation. Voilà. iPhone et Android, tout le monde, tous ceux qui ont un smartphone pourront l'avoir. Alors, attendez, juste, vous ne pouvez pas l'appliquer maintenant parce qu'elle a été acceptée hier par Apple. Donc, il y a tout un certificat à avoir, c'est fait. Donc, maintenant, il faut que je puisse mettre tous vos noms dans le serveur qui appartient à partenariat.com et que je puisse ensuite vous donner un code. Donc, il y aura un code que vous devez, pour ceux qui sont sur Android là maintenant, si vous l'avez téléchargé, on va vous demander un code de 4 chiffres. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez simplement pas. Donc en fait, votre guide à l'aéroport aura d'ici là, c'est par ami, j'aurai tous les fichiers maintenant, si j'ai tout cet après-midi, d'ici 48 heures, l'ensemble de l'équipe partirayavec.com aura votre code attitré individuellement. Donc vous demandez quel est mon code, vous le taperez et vous serez sur l'application. Oui. C'est Pierre. Pardon ? Vous aurez le logo de partir. Vous aurez ce logo qui va apparaître là. Non, mais c'est celui-là. Ok. Juste une précision, en fait. Donc j'ai dit, cette application est tout à fait gratuite. Moi, j'aimerais franchement avoir les feedbacks de chacun de vous. Le but, en fait, c'est que on fasse partir chaque année un ou deux pèlerins par cette application-là. Il n'y a aucun but lucratif ici. Vous n'avez rien à payer. J'insiste. Tout ce que je veux, c'est avoir un feedback de votre part sur l'utilisation de l'application, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Il y a, vous verrez, quelques fautes d'orthographe que j'ai déjà repérées, etc. Ça a été fait très rapidement, on a un temps très court. Soyez encore une fois indulgents et faisons en sorte que l'année prochaine, pour chaque Omra et pour chaque pèlerinage, l'application soit au top. Des questions ? Oui. Alors il faut par contre avoir une puce. Donc quand vous serez à la Mecque, j'imagine qu'il faudra, soit vous êtes, enfin moi comme moi, j'ai ma puce qui marche partout dans le monde, pour ceux qui sont comme moi, pour ceux qui ont besoin d'avoir une puce localement, vous achetez votre puce localement, je ne connais pas les détails, peut-être que tu peux expliquer, mais dès lors que vous êtes sur Internet, sur un réseau Internet, ça marche. Wi-Fi, ça marche. Pardon ? J'ai pas entendu. À la Mecque. Ben c'est prévu pour marcher partout dans le monde, la géolocalisation. Mais en particulier à la Mecque, à Médine, l'avantage c'est que quand il va repérer Arafat, vous aurez les apparitions des invocations. Mais encore une fois, même si jamais vous n'entendez pas le pop-up, vous avez à Arafat ce qu'il faut faire. C'est un complément du bouquin que vous avez, du bouquin que vous a remis partirayavec.com. J'avais préalablement installé partout à la Mecque. J'ai du mal à entendre là parce que tout le monde parle. Oui. J'avais installé partie de la Mecque. Oui. Et le logo, c'est marqué Umrah et Hajj. Est-ce que c'est le même? Ben moi, je ne veux pas, pour l'instant, j'ai un iPhone, moi. C'est un iPhone? C'est Android. Android. Est-ce que c'est le même? Avec le logo. Il est où? La trame, non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas le même logo, là, monsieur. Le logo, il est là. Ça, c'est pas la même chose. D'accord. Ce que vous aurez dans les applications qui sont sur le marché, c'est juste les rituels. Là, c'est le fait d'avoir la possibilité de communiquer avec votre guide, d'être géolocalisé, de pouvoir retrouver vos camarades et de pouvoir communiquer entre vous. Ok ? Voilà. Merci beaucoup pour la magnifique Paris. Et on espère de votre part d'être indulgent vers nous. C'est la première fois qu'on met ça en application cette année. Et voilà, de revenir vers nous pour nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Pour récapituler concernant notre application, c'est une application qui n'est pas fonctionnelle tout de suite, d'accord ? Aujourd'hui, on communique avec vous par WhatsApp, d'accord ? Tout le monde reçoit les messages WhatsApp du groupe ? Tout le monde ? Ceux qui ne reçoivent pas les messages WhatsApp,
je vous invite à aller vers Salim et donner votre numéro de téléphone qu'on puisse vous enregistrer. D'accord ? Normalement, on enregistrait tout le monde, peut-être une dizaine de personnes ne l'est pas. Donc vous allez vers Salim et on vous enregistre. Aujourd'hui, on communique par WhatsApp, on vous donne toutes les informations. Il y a un groupe court séjour et un groupe long séjour. D'accord ? Cette application-là, une fois qu'elle sera en ligne, vous allez sur Apple Store ou sur Android, vous la téléchargez et elle sera fonctionnelle que lorsque nous, on vous donnera un code pour avoir accès à cette application. Les codes aujourd'hui ne sont pas établis, ils le seront, Inch'Allah, avant le départ. Donc on vous donnera votre code, mais vous pouvez la télécharger préalablement. Et pour rentrer dedans, il faudra absolument avoir ce code. Donc vous rentrez à l'intérieur, et ce code-là, ça sera un code personnel pour chaque personne. Ensuite, bien sûr, cette application, elle marche avec quoi ? Elle marche avec du Wi-Fi ou avec de la 3G. Ce n'est pas une application qui marche comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est quand vous arrivez en Arabie, vous achetez une puce avec Internet, d'accord ? Mais pour ça, il faudra un téléphone Android, c'est-à-dire un téléphone soit iPhone, soit Samsung ou n'importe lequel. Et avec, avec ça, l'application peut marcher. D'accord ? C'est bon ? Tout le monde a compris ? Et autre chose concernant les rives de la Ramla, pour des gens qui ne sont jamais partis en Arabie, c'est un peu confus. Il y a plein de choses à apprendre, etc. Vous inquiétez pas, on est avec vous. Pendant tous les rites, on est avec vous. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas les doigts, vous allez les répéter après nous. Ce qu'on fait, vous le faites. D'accord ? Tout le staff que vous voyez ici, ils font la ramal avec vous et le hajj avec vous. Plus vous avez du staff sur place, plus vous avez des sœurs sur place, etc. Nous, ce qu'on vous demande, c'est juste de nous aider à faire que ce voyage se passe bien. D'accord ? Nous, le hajj, alhamdoulilah, on y va tous les ans. Par la grâce d'Allah, on y va tous les ans. Vous, c'est votre première fois et peut-être votre dernière fois. Et peut-être nous aussi, votre dernière fois. Il faut que ce voyage, ça soit une réussite pour vous, une réussite pour nous. C'est un voyage dans lequel, s'il n'y a pas de ta'aoun, si on ne s'aide pas entre nous, vous allez voir que ça va très très mal se passer. D'accord ? Donc, à vous de nous aider en patientant. Et nous, Inch'Allah, on fera tous les efforts pour vous mettre au mieux du possible. Après, il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains. Ça, je préfère vous le dire tout de suite. Il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains. L'arrivée des bus qui n'arrivent pas à l'heure, les chambres de retard, l'aéroport, Mina, Muzdalifa. C'est un voyage qui est composé de trois organisateurs. Nous, le ministère du Hajj et vous. D'accord ? Donc, si vous ne faites pas en sorte de nous aider dans l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire nous aider dans l'organisation ? Ça veut dire quand on vous donne un rendez-vous, il faut venir à l'heure. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord ? Patientez. Nous, on est dans du travail. Il y a toujours une équipe avec vous, une équipe en amont. En amont dans les étapes. D'accord ? Quand vous allez arriver, vous allez voir, il y aura toujours une équipe. Vous allez arriver, il y a une équipe avec vous et une équipe qui est déjà dans l'étape d'après. D'accord ? Quand vous dites patientez, ne vous énervez pas. Parce que nous, ça va nous bouffer notre énergie. Et cette énergie-là, au lieu de la mettre à avancer dans les étapes, et ben finalement, c'est vous qui allez en pâtir à la fin. D'accord ? Donc on compte sur vous. D'accord ? Pour nous aider, pour être patient. Et malheureusement, je dis ça tous les ans, mais... C'est pas facile. C'est pas facile. On ouvre les questions, réponses, si vous avez des questions. Juste une phrase, je vais me répéter. Ceux qui ont des pathologies chroniques, merci de venir me voir après. Merci de vous signaler, c'est important pour moi. Malakallah, on fait quoi ? Salam alaikum. Salam. Je voulais vous demander combien de... on doit payer de moutons. Alors les moutons, le prix du mouton c'est 120 euros, d'accord. Comment ça se passe? Donc vous avez là-bas un petit stand pour le mouton et pour les ihram. Pour les gens qui n'ont pas acheté leur ihram, ils peuvent l'acheter ici, on vous a facilité, c'est le même prix qu'à l'extérieur. Et pour le mouton c'est pareil. Le mouton, de l'acheter chez nous, c'est pas une obligation, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'acheter chez nous. Vous pouvez arriver là-bas et l'acheter sur place. Nous ce qu'on fait, c'est un service qu'on vous rend, d'accord. C'est des frères qui vivent en Arabie, qui s'occupent. Le jour de l'Eid, généralement c'est Mustapha qui part et il emmène avec lui 4, 5, 6 frères pour témoigner que tous les moutons ont bien été égorgés ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas tous aller à l'abattoir pour couper le mouton, pour égorger le mouton. Okay ? Donc Mustapha, c'est généralement Mustapha qui part. Il va à l'abattoir, il prend quelques frères pèlerins pour témoigner pour les autres. Et à la fin du Hajj, sur les 450-600 moutons, on en prend une cinquantaine, on se fait un repas avec, et le reste, ça va pour les talab el aïd. Généralement, c'est tous les frères qui vivent à Médine, les francophones, vivent à Médine, le Cap, et c'est eux qui prennent les moutons
Il y en a, il va prendre 15, 20 et ils font l'année avec. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Après, c'est pas une obligation de prendre chez nous, vous pouvez l'acheter là-bas, vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez aller, c'est votre responsabilité. D'accord ? D'autres questions ? Salam alaikum. Alaikum salam. Pour ceux qui veulent faire une phrase. Comme j'ai dit, il y a des sujets de divergence entre les savants. Pour ma part, je considère, je penche pour l'avis de ceux qui disent que l'Ifrad n'existe plus. Il n'existe plus, il a été abrogé. Et le fait est dans le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La umra dakhalati l'umrati, il hajj ila abad il abad » La umra est rentrée dans le pèlerinage pour tout jamais au Shabbaka Bayna Sabira où il a entrelacé ses doigts. Maintenant, celui qui veut faire qu'un pèlerinage, pour moi, il n'a pas fait la sunna, mais bon, admettons qu'il a choisi son choix. Donc, celui-ci, lorsqu'il va arriver, il va faire ce qu'on appelle le tawaf al-qudum. Après, il n'aura plus que le tawaf al-hajj, c'est tout, il n'y a pas, il y a rien d'autre. Mais c'est regrettable. Comme on a dit, le professeur Hassan m'a dit, l'état khudou anni manasika, comprenez de moi vos rites. Donc c'est ce qui nous a encouragé à faire. Maintenant, si c'est une question de moyens, celui qui n'a pas les moyens d'égorger une bête, qu'il jeûne 3 jours là-bas, puis 7 jours quand il rentrera chez lui, comme le nous l'a enseigné Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou le professeur Salem dans la Sunna. Voilà, donc de façon simple. Mais restons fidèles à la Sunna du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit après, oui. Je reviens sur un autre point qui est la question précédente sur l'immolation, at-tamattu', l'immolation de at-tamattu'. Donc c'est bien l'immolation pour le tamattu'. Donc j'ai fait la umra. Quand j'ai fini la umra, je me suis désacralisé et je profitais entre guillemets de la vie dans le sens où je n'ai pas de règles contraignantes. Je peux me couper les ongles, me raser, etc. Dans ce cas-là, cette liberté-là, Allah me dit d'être reconnaissant. J'égorge une bête. Donc quand on est plusieurs membres à aller faire le pèlerinage, il y a le mari, peut-être la grand-mère, etc. C'est une bête pour chaque personne. C'est important à savoir. En même temps, il ne faut pas confondre cette bête-là avec la bête de l'Aïd ici. Ce sont deux choses différentes. Donc c'est des choses à ne pas négliger. Barakallahu. Juste voilà, dans le FICO, je vois des gens qui commencent à se lever et partir. Attention, on a des choses à vous remettre. Donc une fois que la réunion est terminée, on vous demandera de vous diriger vers vos groupes, les groupes 1, 2, 3, 4, 5, pour vous qu'on remette vos sacs à dos, vos étiquettes bagages, et en l'occurrence, les passeports avec les visas pour les gens qui n'ont pas reçu leur passeport, leur visa. D'accord ? Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Est-ce qu'on peut acheter une puce dans votre agence ? Acheter une puce. Non, on fait pas de puce. On fait pas de puce, mais une fois arrivé en Arabie, Inch'Allah, on va essayer de vous faciliter et de faire venir un opérateur à l'hôtel pour qu'il puisse vous vendre des puces. On le faisait les années précédentes, mais depuis l'année dernière, ils demandent d'avoir les empreintes. Donc ils vous font les passes à mettre. Pour avoir une puce, il faut absolument mettre l'empreinte de votre doigt. Mais ça, Inch'Allah, on essaiera de ramener quelqu'un, un opérateur mobile à l'hôtel, pour vous éviter la queue dans les magasins, etc. S'il vous plaît, un peu de patience, un peu de... D'autres questions ? Oui, là. Oui. Salam. Comme ça. La dame, elle a un problème de santé, et elle voulait savoir si elle pouvait prendre quelqu'un sur place pour faire tous les rites à sa place, en fait. Donc, payer quelqu'un sur place. Tous les rites à sa place, non ? L'aider à faire les rites, ouais, mais pas tous les rites à sa place. Elle a dit qu'elle est... Hajan, tu es venue toute seule? Tu étais wahdik? Elle est venue avec vous. On lui prendra quelqu'un pour la pousser, d'accord? Donc avec un chariot, faudra, ça sera à vos frais, ok? Mais à sa place, non. Il y a des choses qu'il pourra faire à sa place, comme Jamarat, etc. Mais le tawaf, le sa'i,
Arafa. Dernière chose, elle veut savoir aussi si elle peut faire plusieurs Omarafa, payer des gens sur place aussi. Ça, elle pourra le faire, il n'y a pas de problème. Elle pourra le faire aussi. Ouais, ça, elle peut le faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Juste un point d'organisation par la communauté. Les frères, les guides, je m'adresse à vous. On commence à distribuer les affaires après avoir terminé la réunion. Là, tout le monde est déconcentré. Après la réunion. Voilà, on laisse finir les questions-réponses, on finit avec le Coran. Et après, on ouvre le stand après. Oui, le Hajj, t'fadli. Mohamed Sarah, t'fadli. Rien que les hommes, les Hajj, rien que les Mouskas, les femmes seules. Un Wahdi, nous sommes pas tous les jours. Qui vient pour chercher sa femme à 10 km, je suis pas tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, on organise le Hajj. Le Hajj, c'est une difficulté, on organise cette difficulté. Après, le comportement des gens, on n'est pas responsable du comportement des gens. Hein ? On est responsable, mais ce qui n'est pas de notre ressort, ce qui est du comportement des gens, comme disait le Cheikh Mohamed, on n'y est pour rien, il faudra juste patienter et puis c'est tout. J'ai pas d'autre solution. Comme ça là, tout à l'heure, vous avez parlé pour les côtés roulants. Comment ça se passe? Est-ce que vous payez une discothèque ici ou vous là-bas sur place? Non, sur place, vous allez voir dans le quartier Ounel Azia, vous avez des pharmacies, vous pouvez acheter un fauteuil roulant là-bas sur place et vous le gardez avec vous pendant tout le séjour. Une fois que le séjour est terminé, vous le laissez là-bas à la mosquée, quelqu'un s'en occupera, ça fera une sadaqa et voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Pour payer un chèque, on n'a pas la machine carte bleue. Pour payer un chèque, Inch'Allah. Okay. D'accord. Les hommes, pas de question avec les femmes qui parlent. Si. Viens par là, sinon ça ne s'arrêtera jamais là ici. Ça arrive. La dernière. Salam alaikum. Alaikum salam. C'était juste pour le jour de départ à l'aéroport. Oui, soit là-bas à 10h, c'est ça? Alors. Je ne peux pas vous donner votre horaire parce que chacun a un horaire différent. Vous avez sur votre convocation l'horaire d'arrivée. Regardez sur votre convocation. 10h, mais on part après 15h. C'est pas grave si on arrive un peu plus tard à l'aéroport. Parce que c'est long. Hajar, si vous l'arrivez plus tard, vous venez plus tard. Si vous l'arrivez après 15h, vous arrivez après 15h. Non. Allez, c'est vous qui. Nous, on vous a mis les horaires d'arrivée. Et après, si vous arrivez une demi-heure plus tard, bien sûr que c'est pas grave. D'accord. Une heure plus tard. Mais voilà, nous, on sera là-bas à partir de 7h06. Vous avez vos passeports, vous avez vos bagages et vous. Voilà, que l'on fait. Viens chez les hommes, Mounir. Parce que sinon, ici, ça va jamais s'arrêter. Sinon, ça va pas finir, on prend des questions. On prend encore 3-4 questions chez les hommes, 3-4 questions chez les femmes. Et c'est tout. Ça va aller. Allez, comme ça, vous. Est-ce que vous avez des reçus là si vous coupez en espèces? Comment? Si vous avez des reçus là si vous coupez en espèces. Vous allez là-bas, il y a des reçus pour tout, pour le mouton, pour ce que vous voulez. D'accord? Salam alaikum. Alaikum salam. Pour l'utilisation de la carte bancaire sur place, est-ce qu'on peut retirer de l'argent? Alors, vos cartes bancaires sont des cartes internationales. Vous pouvez retirer de l'argent, vous pouvez y payer avec. Est-ce que l'argent qu'on a, est-ce que c'est des riels? Nous, ce qu'on vous coupe. Si vous payez, vous allez payer en riel, et qui, eux, la banque va faire la conversion, va vous prendre des frais. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un peu d'argent avec vous, d'ici en espèces. De changer une petite partie, parce que quand vous allez arriver, on va enchaîner l'armoire, etc. Donc pendant pratiquement 24 heures, vous n'allez pas avoir le temps de faire du change. En plus, à la Zia, il y a des changes, mais il y a beaucoup de queues. Donc changez peut-être 200 euros avant le départ. Et après, une fois que vous serez en face des harams, il n'y a pas de problème, vous pouvez changer les points de partout. Est-ce qu'on peut utiliser la banque? Vous pouvez utiliser la carte bleue, mais ça va vous coûter très cher. Ah bon? Oui, bon, la banque va prendre des frais sur les transactions et des frais sur le change. Merci. D'accord. Salam alaikum. Alaikum salam. Pour ceux qui veulent se rendre à la Mecque, par exemple, toutes les prières, Rénavet qu'on a de l'hôtel à la Mecque. Alors, est-ce que c'est spécialement que pour nous ou bien pour tout le monde? Non, c'est que pour vous. C'est des navettes qui nous appartiennent à nous, d'accord? Qui nous appartiennent à nous, à l'agence. Et c'est des navettes qui vont vous déposer, mais qui ne vous ramènent pas. On est d'accord?
Donc on a des navettes qui vous déposent, mais qui ne vous ramènent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'endroit de stationnement là-bas. Donc elles vont vous déposer, et elles ne pourront pas stationner, donc elles vont repartir directement. Si, par chance, quand vous sortez, vous les trouvez, bien sûr, vous pouvez monter dedans, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, nous, on vous garantit un aller sans retour. Sauf pour la rampe, là. Sauf pour la rampe, là, bien sûr. Ça, c'est pour les gens qui veulent partir tout seuls. Voilà. Déjà, juste comme ça, un petit sondage, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait le cage de la rampe, là, pour qu'on puisse savoir un petit peu à qui on a affaire. D'accord? On a des redoublants, alors. C'est bien, c'est très bien. Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui, quand on va arriver, veulent faire la rampe, là, tout seul? D'accord, d'accord, parfait. Très bien, c'est bon, parfait. Il y a encore Mouni, il y a des questions, c'est bon? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Je voulais poser une question. En fait, ceux qui jeûnent le jeudi, le lundi et le jeudi, est-ce qu'ils peuvent le faire à Nelmaramek? Le professeur Solène nous a dit que celui qui est en voyage ou qui est malade, Allah lui écrit la même récompense que quand il est résident. Donc s'il veut ne pas jeûner, il aura la même récompense. Et s'il veut jeûner parce qu'il se dit qu'il est dans les lieux saints, il peut jeûner. Par contre, il faudra éviter de jeûner quand nous serons dans les jours de pèlerinage. Là, il faut éviter de jeûner. Mais par contre, les autres, comme le jour de Arafat, s'il jeûne, il faudra s'installer à manger pendant le jour de Arafat. Donc on peut jeûner là-bas, mais pour celui qui a une habitude, qu'il se rassure, il aura la même récompense, Inch'Allah. Attends, ce qu'il dit, qu'il peut faire, c'est pas interdit. Voilà. Excusez-moi, bonjour. J'aimerais juste savoir, est-ce que l'enregistrement il va être disponible sur le site? Alors l'enregistrement, Inch'Allah, si le réalisateur qui est en face de moi fait le nécessaire, il pourra être demain sur le site, Inch'Allah. Il est là-bas, mon micro il est là-bas. Comme ça. Je voulais simplement savoir, on nous a recommandé de porter le masque pour des raisons sanitaires. Est-ce qu'il peut être porté lors du Hajj ou pas? Alors là, c'est un sujet de divergence. Certains savants disent qu'il ne, si on le porte, on doit faire la fidya, à savoir soit égorger une bête, soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres. Donc, les avis sont partagés. Pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses que l'on fait de façon contrainte, on n'a pas le choix. Ces choses-là, il n'y a pas de restriction. Donc, moi, l'avis que je partage, c'est que la personne peut la porter. Mais vous avez d'autres avis, et pour être tout à fait honnête, la majorité considère que si on le porte, on doit s'acquitter de la filia, comme on vient de le citer instamment. Pour moi, non, je ne partage pas cet avis. Alors, donc on va arrêter pour les questions, comme ça on va laisser les gens... Donc on va laisser les gens, en fonction de leur numéro, rejoindre leur groupe.